Allez, salut à tous et bienvenue sur Jivel pour un nouveau Twitch spécial aujourd'hui consacré donc à la bêta fermée de Call of Duty World War 2. Donc je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle gamer club que vous commencez à tous connaître. Salut à toi, bienvenue. Salut à tous. Et puis un mec comme ça qu'on a trouvé un peu au passage qui fait du sniper de temps à autre, Monsieur Hiro. Salut, salut. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui de 15h à 18h pour un stream donc sur la bêta, histoire de voir un peu tout ce que ça donne. Donc on s'est un peu exercé avant quand même, histoire de vous proposer de la merde. Et donc on va voir tout Pas ça que. ensemble. Donc je rappelle qu'aujourd'hui il y aura une clé à gagner. Donc c'est une clé qui sera entrée directement sur la PlayStation Store. Donc il n'y aura pas besoin de passer par le site d'Activision. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, et ben écoutez les gars, vous pouvez lancer la partie, on est prêt. On est chaud. Je lance. Quel mode vous voulez? Match à mort? Commencer simple, Allez, vas-y. histoire de pouvoir discuter en même temps. Allez. Donc là, il va s'occuper de gérer le chat, hein, donc c'est des questions. C'est lui qui fera l'intermédiaire. Voilà, c'est ton taf. Ça marche. Ouais. Fais-le bien, Mission, hein, s'il te plaît. oui. Mission solide. Vérifiez vos armes. Traquez l'ennemi. Bon. Est-ce qu'on peut éventuellement. Enfin, je sais pas, on verra peut-être qu'il y aura du monde, à moins qu'il y ait déjà du monde sur le qui nous regarde. Mais on pourrait parler un peu du contenu de la bêta. Ah ouais, pour l'instant, on est bien là, et puis après, je pense qu'on pourra tranquillement entre les lobbies. Ça marche. Ouais, on branche. T'as vu celui du haut là, ouais, 22? Ouais, c'est bon. Oh, derrière. Ouais, bunker, c'est. T'es chargé. Cette map, ça va. Ouais, j'ai du mal, c'est l'autre là, la map. Comment elle s'appelle? J'ai encore du mal avec les noms. Celle où t'es en forêt là. Ouais, voilà, Ardennes. J'ai du mal avec celle-là. Mais sinon, celle-ci et puis la deuxième là, enfin l'autre, c'est pas mal, j'aime bien. Ardennes, Gibraltar, Gibraltar, j'y ai pas trop joué. Elle est bien, moi j'aime bien Gibraltar. Je pense que dans mon top 3, je mettrais Gibraltar, Pointe du Hoc et Ardennes. Ils sont dans le bunker. Ouais, ça lag un peu en face. Ouais, ouais. Du moins. Vol de reconnaissance terminé. C'est quoi, c'est où? C'est pas de la grange? Non. Non, c'est derrière. Ouais, ça lag un peu. Niveau du bunker. Ouais, ok, bunker arrière. C'est bon, j'en ai eu un. Je vous envoie un petit drone. Nickel. Je crois que c'est au niveau de la grange là. Grange et bunker. Le bunker de la grange. Bon, je l'ai eu ce allongé. Tous les clubs, il y a des choses qui changent pas, notamment le camp. Les mecs qui jouent les ratios sur une bêta, voilà, c'est ça. Par exemple. Bombe. Un stop. Et deux. Oui, c'était. C'était moi. J'ai plus beaucoup de balles, moi, c'est pas normal ça. C'est trop bien joué. J'en ramasse un peu par terre. Ah bah oui, je suis à 8-0.
Pas mal. Personne. Aïe aïe aïe, allez, j'envoie un tir d'artillerie. Ouais, t'es chaud patate là. Ça, ça fait du bien ça. Non, mais je vois personne. Ils sont granges, 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 granges. Il y en a dans les bunkers aussi. Dans les... Okay. Ils sont trois granges. Ouais, bon, j'en ai un à l'étage. Bon. Il y en a qui arrive sur vous. Ah, j'ai eu l'assist. Ah, dans mon dos. Raté. N'empêche, ça fait plaisir de revenir sur des choses où les mecs sautent pas dans tous les sens quoi. Ouais, c'est vrai. Alors oui, hein, y a toujours les défauts de Call of, hein, c'est habituel, c'est classique, c'est je campe et puis je campe, je joue ma vie, je fais des choses comme ça, mais n'empêche, ça saute pas sur tous les murs, ça... Après c'est quelque chose que de toute façon tu peux pas empêcher de tous les jeux en général. Il y a pas de que ce soit un Call of Duty, que ce soit un Battlefield. Oui, non, c'est tous. Bunker A, je sais pas si ça vous dit. Moi je joue beaucoup en domination, alors je donne les noms des drapeaux mais. Oh. Oh, je le pompe, il fait mal hein. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Appareil de Rocco, ça, c'est pas cool pour les affaires. C'est serré quand même. Le champ de bataille. Il y en a un à l'extérieur, de l'autre côté. Ouais, j'ai touché, mais... Dans le bunker en face. Tranchée. Ah zut. On a un dans la tranchée. Oh purée. Je pouvais difficilement passer à côté là. Oh là là, bunker. Bon. C'est joué à un point je crois. Non, deux, ouais. Dommage. Ouais. C'est une bonne arme. C'est ce que tu utilises aussi ou pas? Non, pas trop. Non, moi j'utilise la STG 44 là. Ouais, c'est ce que j'essaye de monter en ce moment aussi. Ouais, c'est ce que je fais monter. Parce que j'ai commencé avec que le snipe, donc au début j'ai eu... C'était compliqué de se mettre dans le truc. Et puis après, dès que j'ai eu le niveau pour la STG, parce que les autres, elles me donnaient pas vraiment envie.
STG, pour l'avoir ramassé plusieurs fois, ouais, pas mal. Donc dès que j'ai pu la débloquer, je la récup et puis ça a marché. Franchement, en match à mort, elle est pas terrible. Elle est mieux en mode guerre. Elle est vraiment géniale, la STG. Parce que du coup, c'est des combats un peu plus éloignés. Mais... Ah, est-ce que mode guerre, ouais, j'ai pas testé encore. J'imagine que c'est sur une map différente. Non. Ouais. En fait, c'est une map c'est une map donc c'est une map qui est spécifique au mode guerre et donc t'as des points à prendre. Donc c'est différents objectifs. Alors le premier c'est une capture de zone. Le deuxième tu dois construire un pont. En fait donc il y a un ou plusieurs soldats qui doivent aller sur le pont et le construire pendant que les autres le couvrent. Après tu dois faire exploser une bombe un peu à la. Hop là. Un peu la... sabotage. Ouais, sabotage, ouais, voilà. Un peu la sabotage, et après tu as un troisième point où tu dois escorter un char jusqu'à un point B. Avancez et prenez position. Et tout ça sur une partie en fait, donc c'est vachement sympa parce que ça change beaucoup et ça permet de diversifier un peu le gameplay. C'est vraiment sympa. En tout cas, à plusieurs, c'est excellent. Bon, on se testera ça tout à l'heure. Faut jouer un peu avec les fumigènes aussi. Ah, il faut les fumigènes par contre. Bah, notamment pour le pont quoi. Wow. Il est chaud lui tout ça. Bah, vas-y. N'arrive à rien. Ah. Mais les fusils à pompe aussi, ils auraient pu. Tu aurais pu les oublier, mais bon, apparemment, ils les ont gardés. Ouais, on va pas commencer à rager. Il a une meilleure puissance de feu. Bon, après, ça va. Je trouve que les maps, dans l'ensemble, sont pas trop grandes. Ouais, tu retiens vite. Ça campe direct en haut. Elles sont pas trop grandes, elles sont plutôt bien, comment dire. Il y a pas trop d'étages, c'est pas trop plusieurs niveaux. Relativement plat, donc ça va, j'aime bien. Bah, j'aurais tendance à dire que celle-là est un peu petite quand même de carte, enfin je sais pas. Ouais, à peine, tu vois. Bah l'autre là, on en parlait tout à l'heure, elle est plus petite encore. Ouais, c'est vrai. Une qui est de la bonne taille, je trouve, c'est quand même la. Ah. Ardennes. Gibraltar. Là, justement, elle est pas. Ouais, elles sont sensiblement de la même taille en fait, je pense. Je sais pas, moi de toute façon, j'appuie toujours sur L3 et j'ai le pouce en feu. Et puis en permanence. C'est quoi tout ça? Oh, ils sont tous devant toi, Rambo. Ouais. Encore un, je crois. Ouais. Pareil de reconnaissance en attente d'instruction. Reconnaissance lancée. Sur pas la game, celle-là. Il faut l'action de la game. Il te faut l'action de la game. Voilà, vu ce que je viens de faire, je pense qu'il y a moyen. Ça va péter. Bah, de toute façon, que tu gagnes ou que tu perdes. Si c'est toi qui a fait la plus belle action, c'est toi qui passe pas. Si, parce que moi tout à l'heure j'ai gagné une partie et c'est l'équipe adverse qui a fait l'action de la game, donc. D'accord. Il me semblait que c'était que pour les gars. Non, y'a pas de soucis là-dessus. Si c'est bien toi. Y'en a un à ta droite là, ouais, Rabo. Y'en a deux même. Ouais, j'ai vu. J'en ai touché un. Voilà. Et y'a le deuxième qui est pas loin. Là, je vais lui envoyer une Sentex. J'ai pris un truc. Oh bah, ils sont tous dans la grange, trop dans la grange. La grange. Reconnaissance en cours. Ah oui, effectivement, ils sont dans la grange. Un en moins. Et un seul en moins. Ça c'est déjà pas mal. Pareil de reconnaissance.
personnes en cours. Yo, ça attaque là. Par contre, on sait pas si. Oh, derrière là. Ouais, derrière, c'est fait. Ouais. J'ai pas encore compris ce que c'était les points rouges qu'ils avaient. Tu sais, quand ils te tuent, tu regardes, t'as un point rouge qui s'affiche. Enfin, plusieurs points rouges. Pas du tout. Regarde, la prochaine fois que tu meurs, tu regardes. J'aurais bien dit, hein, ça aurait été bien, hein, un peu comme Battlefield, où ils disent le nombre de fois où toi tu l'as tué et le nombre de fois où toi tu l'as tué. Ah, enfin... si, ça tu l'as. Tu l'as en haut à... Ouais, ouais, Nemesis. Tu regarderas en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Ah ouais. C'est peut-être sa série sinon, non? C'est peut-être, ouais. Ah, la grange encore. Ça a fait le tour. J'ai besoin de munitions. Ah ouais. T'as un grand dans le... Je sais que t'es par là. Bunker. Ah mais il était où lui? Ah, j'ai du mal sur celle-là. Comment l'autre ça a été, mais celle-là, j'ai du mal. Ah, derrière, waouh. Ça y est, le deuxième. Hop, l'appareil de reconnaissance, il est parti. La bombe. Bombardement et zone en cours. Police stratégique ennemie repérée. Empêchez-les de se ravitailler. Il y en a encore un là où la bombe a explosé. Oh, ça me parle pas. Hop, c'est bon. Ah, y'a un largage, y'a un largage. Putain, mais les mecs, ils ont rien d'autre à foutre que de camper, quoi, c'est un truc de dingue. Toujours dans leur tranchée. Bah, là, ils étaient tous sur un largage là. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dans les largages, est-ce qu'il y a d'autres séries d'élimination différentes que celles qu'ils te proposent de base? Non, je pense pas. Et voilà, tu l'as. Ah, il y en a plein devant toi. Ouais. On voit pas le quatrième. Non, on voit pas le 5, ouais, c'est dommage. À un moment donné, moi j'ai eu une... Alors je sais pas si c'était un coup de lag ou autre, mais dans un truc comme ça, là, une killcam, t'avais le mec, il en tue deux, et ensuite le truc s'accélère, la vidéo s'accélère, et on voit le troisième, mais beaucoup plus tard. Wow, c'était peut-être qu'un coup de lag, mais... Ouais, je bon travail, les gars. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce Call of Duty édition 2017 Hero? Tes impressions à chaud, vas-y. Mes impressions à chaud, pour l'instant, plutôt bonnes. Vraiment. Vraiment bonnes. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure... Je trouve que le fait que ça explose pas dans tous les sens, qu'il n'y ait pas des atouts complètement pétés, qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas besoin de sauter dans tous les sens pour aller faire un kill. Voilà, le retour aux sources, ça me plaît vraiment bien, quoi. Donc voilà, à suivre, mais il sera dans ma bibliothèque. D'accord. Vidéothèque plutôt. Et toi, Clem? Non, bah comme dit, franchement ça fait du bien de revenir sur les bases. Après c'est vrai qu'il y a eu le remasterisé l'année dernière, qui était vraiment sympa. Bon là c'est de la Seconde Guerre mondiale, mais franchement avoir le jeu officiel, mais samedi aussi, ouais. Okay. Ça me tente aussi. Ça marche.
On est loin de tout ce qui a pu être fait juste avant. Donc là on rappelle hein, que la bêta elle est donc en exclus sur PS4 ce week-end et que la semaine prochaine, donc le week-end prochain, elle sera ouverte à tous les supports, donc notamment la Xbox One et le PC. Si je dis pas de bêtises, le PC je crois que oui. Et là en fait on a 4 maps, c'est ça. Et 5 modes 3, de jeu. 3 plus la guerre. 3 plus la guerre, ouais, c'est ça. Ouais. Mathis est devenu fan de Juvel, merci à toi Mathis, bienvenue sur la chaîne. Donc là d'ailleurs on va peut-être partir sur un autre mode, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux. Donc j'envoie quoi, de la guerre tout de suite ou du point stratégique? Allez, montrons la guerre, ouais, vu que c'est le nouveau mode. Allez, ouais. Montrons la guerre, c'est parti. Donc guerre en fait c'est un mode qui est pas sans rappeler ligne de fond de Battlefield, si je dis pas de bêtises. Hein Clem? Non, pas vraiment. En fait, pour moi, ça me fait beaucoup penser à Overwatch. Mais avec cet esprit, voilà, Call of Duty, Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'est on avance. Et avec différents objectifs. Des fois, c'est des captures de zone. Des fois, c'est escorter. Bah là, c'est un tank, mais sur Overwatch, c'était un payload. Mais voilà, c'est des objectifs différents sur une même map. Et en fait, le. Ouais, ligne de front dans le sens où tu vas en avançant en fait. Ouais, ouais voilà, c'est ça en fait. La map voilà. Se décompose on va dire en plusieurs parties, mis bout à bout. Avec en un 4 zones. À ouais. Chaque fois en avançant. Et où du coup, avec des objectifs qui demandent pas mal de teamplay aussi. Notamment, c'est vrai que pour moi le pire c'est le pont. Mais c'est vrai que ouais. Un peu scénarisé aussi, mais bon voilà, vite fait. Et je veux dire, on avait exactement le même objectif des deux côtés. Celui qui capture, il avance. Alors en fait, par exemple, s'il y a une équipe qui attaque, alors, nous là en l'occurrence, et une équipe qui défend. Et une ouais. Qui défend, ouais. Hop, c'est déjà passé. Ouais, il y a du monde un peu partout là. C'est moi. Ah. Avec alors ça aussi c'est vachement sympa des nouvelles features un peu. C'est par exemple il y a certains murs qui sont constructibles et ou que tu peux détruire aussi. D'accord. Donc en défense t'as plutôt intérêt à construire les murs et en attaque à les détruire. Enfin ça dépend de certains murs mais t'as aussi tu peux construire des mitrailleuses aussi fixes. Plein de petits trucs comme ça qui sont assez sympas ouais. Voilà, et on salue Omar PSG qui nous revient sur la chaîne, qui vient de follow. Salut. Omar PSG. Salut. Bienvenue. Ah ouais, par contre, ah oui, là ils sont. En fait, on trouve un peu le QG ou capture de zone. Là, on est dans la zone et puis ça peut être contesté en fait. Voilà. Là, on est dedans. Par exemple, là, voilà. En fait, ouais, là, le problème c'est. Ouais, moi, ils sont dans les fenêtres et ils t'attendent quoi. Ouais. Alors le point d'après va être pire. Le point d'après est vachement, ouais. Vachement plus sympa. Voilà, c'est bon les gars. Hop. Ouais, on y va. Donc eux là reculent en fait, ils ouais, sont obligés ça. De reculer. Hein. Un timer. Là on les fait avancer. Donc voilà, donc, là c'est le pont. Alors ça, c'est vrai qu'il faut changer de classe. Alors, on va voir un peu ce que. Ouais. Ce que vaut le snipe. On rappelle donc là, un peu ouais, qu'il a gagné pour la bêta. T'as... Donc restez à l'affût. Hiro, c'est vraiment ton moment avec le snipe. Ouais, bah je vais le sortir après. Ouais. Vas-y. Le common swell, c'est de sortie. Ah ouais, mec, il arrose quoi. Voilà. Alors moi j'essaie déjà de découvrir un peu la map parce que. Moi j'avais un spot qui était sympa. Ah là, il y a trop de fumée, je vois que dalle. L'important c'est alors de détruire les deux sulfateuses qui sont à droite et à gauche. Crime, bienvenue à toi sur le forum, sur le chat. Et merci pour la chaîne. Alors, parce qu'avec la fumée, du coup, je vois plus rien.
Ah moi la fumée la répétition, je vois que dalle aussi. Je sais que ça tire en face mais je vois rien. Ah ah. Là t'as le sulfate qui est juste là qui vient pas. Allez, ça c'est bien, c'est parti pour voilà. Ah. Ah j'ai pris cher. En tout cas les snipes sont vraiment agréables à jouer. Parce que tu joues avec lequel là en bas? Parce que c'est quasiment du one shot hein. Merde. Ouais. Ouais. Enfin, pour peu que la balle soit au-dessus du torse, à partir du corps du moins. Aïe, j'ai eu mal. Et là je m'en suis fait 5 d'affilée avec le snipe, sympa. Malheureusement je pense pas qu'on les verra à la cam mais... Ah y'a pas de play of the game par contre, attention. Ah merde c'est dommage. Ah c'est dommage tu vois. Ah ouais, si je vais chez eux en fait, tu vas me dire non, non. Ok, bah maintenant je suis bloqué en bas, super. Ouais. Faut leur rechanger d'arme, hein, je crois. Ah ouais. Après, un truc que j'ai trouvé ça. Ouais, attends, deux secondes. Un truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est au niveau des SMG, les mitrailleuses, c'est que tu peux à volonté mettre ou défaire ton silencieux. Silencieux. Mmh. Ouais. Et ça, je trouve qu'au niveau, allez, on va dire stratégie, si on parle par là, c'est pas mal, tu vois. Si tu veux te faire discret, tu mets ton silencieux. Si tu veux. Alors attention, parce que ça, c'est pas sur toutes les classes. Ah ouais. Ouais. Bon, en tout cas, moi je l'ai testé sur. Ouais. D'accord, ouais, avec celle qui est fait pour quoi. Voilà, sur le Redman en plus, je présente un peu ça après. Parce qu'en fait, voilà, il y a 5 classes dans le jeu de base. Et en fait, chaque classe a des compétences à débloquer en progressant. Et donc, la classe du coup que tu es en train d'expliquer, Hero, elle te permet voilà, d'avoir un silencieux sur son arme. Et après, est-ce que vous savez me dire à quoi servent les points jaunes là sur la map? Alors c'est les zones que tu peux détruire, c'est les murs. Voilà. Ok. Ah je l'avais pas vu. Là j'ai du mal parce que je connais pas encore la map sur celle-là et je sais pas où ils peuvent arriver les bonhommes. Alors, le Call of, quand tu connais pas la map, t'es toujours un peu en. En galère. En galère. Wow. Et d'ailleurs, quand t'es dans une fumigène, ta minimap est en fumée aussi. Oui. J'ai remarqué. Ah c'est vrai que c'est pas mal fichu, ouais. J'avais pas fait gaffe à ce détail. Ouais. Ah oui je viens de voir à l'instant ouais. Ah zut faut t'en faire. Ouais. C'est vrai qu'on se parle pas beaucoup là donc ouais. On sait pas trop qui fait quoi, qui protège où. Là, je suis... Alors, j'essaie de refaire j'sais le pas mieux. Où il est le bon. Si je peux. Je trouve que les points de spawn sont un peu loin de la zone à chaque fois, c'est... Ouais,
Mais bon, ça va encore. Waouh. Ça diffuse ou quoi? Normalement, non. Ça va arriver, ça arrive. C'est bon. Savoir qu'il faut à peu près 4 secondes pour diffuser, je crois. Bien joué. Voilà, et donc là, on soutient le chat. En fait, pour voilà, faire avancer le tank, il faut, être à côté de lui. Ouais, c'est ça. Donc là, on doit le faire avancer jusqu'au bout. Oh là. C'est ça. En fait, c'est comme un drapeau ambulant. Les bonhommes, ils sont à leur spawn là. Ah, mais je peux pas passer la barre là. Ouais, ils nous attendent en fait. Pas. Oh non, putain, je suis loin. A savoir que dès que t'as un adversaire qui se met contre le char, ça le compte assez vite. Et ils peuvent le faire reculer aussi. Ah oui. Ouais. Après, est-ce que c'est pas un peu toujours la même chose dans celui-ci? Enfin, en même temps, tu vas me dire dans les autres combats possibles. Ah, après, c'est souvent pareil. Mais on va dire que... Dans l'église, il y a du monde. Je pense que ça vient aussi un peu du manque de... map, je pense, pour l'instant aussi. Ouais. Je pense que quand on aura... S'ils arrivent à faire un contenu conséquent de mode guerre, ça peut vraiment être sympa. Par là, j'entends 5-6 maps, ça serait génial. Les 12, hein, ça serait bien. Hein? Les 12 maps. 12 maps en mode guerre, ouais, ça serait excellent. Voilà, j'imagine mal le mode sur Forêt d'Ardennes. Donc ça, c'est bon, après, là on va dans l'autre sens là, c'est ça? Ouais. Donc là on défend, ouais. Ok. Alors sachant que quand tu défends et que tu meurs, t'as un petit temps. Notre mission est de retarder l'ennemi jusqu'à ce que les renforts arrivent et de protéger nos canons anti-aériens pour empêcher les bombardiers ennemis de voler. Pourquoi je joue pas moi? Défendez le poste et les renseignements confidentiels qu'il abrite. Bah ouais, mais j'aimerais bien revivre au moins. Pourquoi je suis mort? Bug de bêta. Ouais, bah je vais passer mon temps à vous regarder en fait. Ce qui te marque quoi, c'est bizarre ça. Non, moi j'en sais rien. Ah, ça y est. En fait, je crois que j'avais pas sélectionné ma classe, mais il me demandait pas d'en choisir, donc. Le poste de commandement. Défendez le poste de commandement, soldat. Oh, y en a un qui est sur le port. Dans l'angle. Fais gaffe, Hiro, ça peut venir derrière toi. Toi, t'as une entrée là. Je vais y aller. Tiens, ça arrive. Hiro, pour toi. Derrière toi, Hiro. Ouais. Waouh! Ah oui, il arrive aux pompes, ouais. Ouais, ouais, ok. Je crois qu'il y en a qui ont pas compris le but du mode quand même. En face? Ouais. Tu dis que les mecs viennent faire les frags. Ah bah. Ça nous arrange. Protégez le poste de commandement. Hop, ça c'est fait. Y'a le mur qui va sauter derrière. Par contre, ça redescend. Ça redescend pas après, hein. Là, on a boîte dedans. Ouais, non. Et s'ils arrivent pas au bout de 2 minutes à prendre le truc, ils ont perdu. Fin de partie, ouais. Une partie, d'accord, très bien. Ils ont pas l'air d'être très agressifs par contre. Poste de commandement attaqué. 2 minutes jusqu'à l'arrivée des renforts. Aïe. Prenne le poste de commandement.
Ah, ils sont dedans là. A savoir qu'il y a sur le côté un petit coin, la bibliothèque, où ils peuvent se mettre. Ah, je vois un bonhomme en rouge sur la map. Il y a un qui a une compétence. Ça, ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est. Les renforts seront bientôt là. Non, non, mais j'ai l'impression que sinon c'est quand ils campent. Oh. Parce que 2-3 fois ça m'est arrivé avec des mecs qui bougent pas. L'ennemi a capturé notre poste de commandement, mais la bataille n'est pas encore jouée. Bon, alors empêcher l'ennemi de reconstruire le pont détruit. Ouais. S'ils réussissent, leur char pourra traverser. A savoir aussi que dès que tu recules, t'as un lance-flamme. Hello. Ouais. Si vous restez appuyé sur triangle, ça vous montre votre arme aussi, j'avais pas fait gaffe, mais ça vous fait. Ah ouais. L'ennemi construit un pont. Ah là, ils l'ont bien avancé déjà. Les deux dans la fumée. Empêcher l'ennemi de construire ce pont. Le pont est en cours de construction. L'ennemi a reconstruit la moitié du pont. Je fume pas. Non, mais arrête, fumez pas là, genre. Non, la tour est là. Ne laissez pas l'ennemi construire leur pont. C'est pas possible. Ah ouais, ok quoi, attends. D'accord. Ok. Ok. Il y en a la tour et la pute tout à l'heure. Ouais, ouais, mais il construit pas le pont donc. Jusqu'à l'arrivée des renforts. Pour lui, hein. Ouais, c'est tout. Il construit. Je vais essayer de le tuer la toile parce que c'est juste. J'ai tué celui qui construisait le pont. Ça. Je la vois pas, la tourelle, elle est là. Ouais. C'est bon, il est mort. Et y'en a un, y a un sniper juste à côté de la tourelle aussi. Je l'ai eu. Ah, à côté de la tourelle, non, je l'ai pas eu. Je l'ai eu à la fenêtre à côté, mais. Il s'est mis à la tourelle, il est mort. J'ai eu à la fenêtre. Voilà. Ils arrivent tous à droite. Wow. Encore une minute. Merde, je me suis fait tuer. Allez, on peut tenir. Ils ne doivent pas construire ce pont. Voilà, c'est très très mal parti. Ça va arriver à droite aussi. Un sniper près du pont. Au bout à droite. Que 30 secondes. Aïe, zut. Allez, ah non, je suis pas mort. Encore 10 secondes. L'ennemi construit un pont. Mais bon! Tuez tous les ennemis près du pont! Ah ouais, les mecs sont rentrés quoi! Éliminez tous les ennemis sur le pont! On a réussi! On a empêché l'ennemi de construire son pont et nos renforts sont là! Bon, Clem, est-ce qu'il y a des questions pour nous? Toujours pas! Toujours pas, bon bah. Donc voilà le mode guerre que je trouve assez
Qui est pas Par trop contre, mal fait à ce il met pas en narrateur. avant ceux qui ont fait des belles actions ou autre, c'est un peu dommage, mais bon, pas grave. Ah non. Ceux qui ont vraiment aidé à avancer sur les objectifs ou à les défendre. D'ailleurs, tu verras, dans ce mode-là, il n'y a pas le. Alors, si tu regardes les scores, il n'y a pas le nombre de morts, enfin de l'équipe que Ouais. tu fais et le nombre de morts. Si, il y a les kills, mais il n'y a pas le nombre de morts. Tu sais combien t'as tué de Bah, bonhommes? pour toi, oui. Mais. Ah oui, pour toi, pas pour les autres. Mais pour les autres, non. T'as Parce très que. très peu d'informations, ce qui est pas trop mal, je trouve. On se refait un guerre ou on change un peu et on Oh, reviendra tout à l'heure change. Ouais, dessus? on reviendra tout à l'heure. Ouais. C'est toujours un peu la même chose quand même. Bah d'ailleurs, tiens, je vais Ah en bah c'est profiter pour oui. présenter un peu les classes. Enfin, les Bah vas-y, classes. les menus, bah vas-y, on te laisse faire, hein, et puis. Tu me dis Alors, quand t'es. où sommes-nous? Donc voilà, nous avons Alors, par contre, je suis les toujours. divisions. Donc, il y en a 5, infanterie, aéroportée, blindée, montagne, expéditionnaire. Et vous pouvez voir donc à droite les petites descriptions avec différents niveaux. Donc, par exemple, si je prends l'infanterie de niveau. L'aéroportée, pardon. De niveau 1, voilà. Donc on peut avoir le silencieux sur la mitraillette. Au niveau 2, c'est le sprint sur de plus longues distances. Au niveau 3, franchissement plus rapide des obstacles. Au niveau 4, vitesse de sprint accrue. Et 5, mitraillette secrète. Ouh. Voilà, donc en fait ça c'est des petites compétences de classe qui en fait vont venir remplacer un peu les atouts qu'on connaît en fait tels qu'ils étaient avant. Et c'est pour ça qu'en fait après quand on fait une classe plus personnalisée, on a vraiment un seul atout en fin de compte, qui s'appelle donc les formations. Donc là par exemple je joue avec espionnage qui consiste à dès qu'un ennemi est touché à le voir apparaître sur la map quoi. Hein. Voilà, ensuite on retrouve donc les armes. Alors il n'y a que deux accessoires. Ça aussi c'est plutôt énorme quand on sait que dans les derniers épisodes on avait souvent des multi-accessoires jusqu'à 5, 6, enfin des fois c'est même overdose. Donc là on revient vraiment au basique quoi. Donc une arme principale, une arme secondaire, une seule grenade. Là, pareil, il faut faire un choix entre une grenade létale et une grenade tactique. Donc un atout, voilà, puis bah, les compétences à débloquer. Là, je viens de voir qu'on a eu un follow, donc je crois que c'était Kevin. Merci à toi, bienvenue. Donc, franchement, voilà, on retrouve un Call of plus terre à terre, beaucoup plus épuré au niveau du gameplay, qui, enfin, à mon sens, en fait, met plus en évidence le skill du joueur, plutôt que de se reposer sur des bonus, quoi, sur les atouts. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, on retrouve des armes qui ont existé. Donc, notamment, là, si je peux reprendre dans le fusil, on a le M1-40. Zartek est devenu fan de JL, merci à toi Zartek, bienvenue. Ah, on retrouve vraiment des armes voilà, telles qu'on a pu connaître, la Winchester qu'on présente plus. Donc non, franchement, de mon point de vue, un très très bon Call of quoi. Ewen 50 le beau gosse est devenu fan de JL, merci à toi beau gosse. Donc voilà hein, pour les présentations. Donc tu peux rechanger la suite. Tu peux recharger la suite, pardon. Vonox est fan de C'était bien. JL, et bah c'est bah, si, ça enchaîne les mecs là, c'est sympa, merci à vous. Ça fait plaisir. Sinon en bonus de série d'élimination, donc on retrouve le système de score streak et pas de kill streak, c'est-à-dire que les bonus se déclenchent au bout d'un certain nombre de points et non pas d'un certain nombre de kills. Donc un peu pour favoriser le teamplay et le jeu objectif. Donc c'est plutôt pas mal, donc on retrouve les classiques, hein, l'espèce de missile Predator, colis stratégique. Le drone de reconnaissance, les bombardements, enfin voilà un peu tout ça. Dark Alex, bienvenue à toi, merci pour le follow. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Bon, à noter aussi qu'il y aura un HUB social géant dans le jeu baptisé comment? Headquarter. Ouais, Headquarter, donc quartier général en fait, qui consistera donc voilà, à se retrouver à faire des 1 contre 1, s'entraîner au tir sur cible, à s'entraîner au kill streak, enfin au score streak pour le coup. Bon, c'est plutôt sympa, donc là on n'y a pas que c'est dans la bêta, on verra ça à la sortie du jeu final, mais bon, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, donc à voir ce que ça donnera en pratique. Et je crois que j'ai vu une question passer, Clem, si tu peux Ouais, confirmer. ouais. Alors il y a Zartek qui dit, je trouve que ce code est moins bien pour les joueurs de compétition comme Gotha et tout. Alors Alors Gotaga, j'avais regardé une apparemment. vidéo et ouais, il disait que bah, c'était à voir sur le long terme parce qu'il y avait quelques petites choses qui lui plaisaient pas trop. Alors, je sais plus exactement quoi précisément, mais alors, après je sais pas si pour le genre de compétition ça sera un frein parce que ça peut toujours quand même rester basé sur le skill et la compétence, c'est plutôt pas mal. Donc, à voir quoi. Après, j'ai entendu parler qu'il y avait beaucoup de.
qu'il allait avoir beaucoup de trucs au niveau classement, etc. sur celui-là. Donc, compétition, oui et non. Dans le sens où ça sera beaucoup de compétition pour tout le monde. Et après, par contre, la compétition à grand niveau, je sais pas. Mais c'est vrai qu'apparemment, ça va être très poussé pour tous les gens un peu lambda, en fait. Alors, Redemption qui nous dit « Salut, alors... déçu de ce code. » Ah, alors, bah, hésite pas à nous dire ce qui ne t'a pas plu. Ce qui te déplaît. Après, c'est vrai que je pense que ça dépend à quel moment on est arrivé dans la série Call of Duty aussi. Je sais pas si... Oui, si ceux qui sont habitués, je pense, au dernier, Advanced Warfare, Infinite Warfare et autres, Black Ops 3, je pense que ça peut éventuellement dérouter de revenir un peu à la Seconde Guerre mondiale et à ce type d'armes qui sont un peu particulières. Le jeu, tu joues différemment à ce jeu-là qu'aux autres. Donc effectivement, ça peut dérouter un petit peu, comme dit Clem. Ceux qui sont arrivés à cette époque-là, ça peut dérouter. Après, les anciens, un peu comme moi ou Rainbow, voilà, nous, on est arrivés sur Code 4 et bon, voilà, moi, je m'y retrouve un peu plus, sachant que World War One, si on va par là, est sorti juste après Code 4. Et que bah, il y ressemble beaucoup quand même, hein. Enfin, c'est très très proche du premier. Donc voilà, après c'est différent, hein. C'est vraiment un autre style de jeu. C'est vrai qu'on peut aimer ou on peut détester, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Voilà, du coup, à mon avis, ça répond bien à ce que tu dis sur le gameplay. Après, par contre, c'est vrai que l'histoire des balles qui touchent pas, et par contre, certaines te tuent en une, voire deux, ou les balles ne te touchent pas et te touchent bien étrange. Ça, je pense qu'on a un souci avec les serveurs. Ouais, et puis je pense qu'on est encore en bêta, et je pense que les serveurs sont pas au top non plus. C'est vrai que des fois. Je trouve que les serveurs sont pas trop mal. Mais bon, après, c'est comme toute bêta, c'est vrai que. Voilà, ça, c'est souci aussi. Ouais, et puis c'est Call of, dans son ensemble, Call of a toujours ce petit problème au niveau des connexions. T'as toujours des parties, moi le premier, des parties où je touche en deux balles et puis des parties où ça va jamais toucher. Ça dépend vraiment, ouais, des serveurs, du moment à laquelle tu joues, enfin ça dépend de plein de choses. Bon voilà, après on fait avec, hein, on a l'habitude de ça dans les Call of. Maintenant, on fait avec. Moi, je rage de moins en moins sur la connexion parce que c'est plus. Voilà, tu apprends à jouer avec finalement. Et puis, Call of Duty sans rager, c'est plus un Call of Duty. Pas, dans le c'est fond. Plus un Call of. C'est ça. Donc, vas-y, tu peux remettre le soldat. Si, entre temps, ça te dérange pas. Vas-y, bah je relance. Tu veux que je lance ce que vous voulez, on va essayer de faire un peu de tout. Et je vais en profiter donc pour balancer le premier salut à Note 12. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Donc je vais balancer la première partie du code pour la bêta, hein, parce qu'on a un code bêta à distribuer aujourd'hui. Donc en fait, c'est un code donc à entrer directement sur PlayStation Store et je donne donc la première partie. Alors ça va être des mots. Alors je sais pas si je vais me faire comprendre en fait. Des mots et les chiffres. Hein, vous savez tous que les codes, c'est H, J, 3, 2, 4, machin. Donc moi j'ai donné des mots, il faudra reprendre la première lettre pour avoir la lettre. Donc la première partie du code, c'est cacao, 6, délire, 8. Je répète, cacao, 6, délire, 8. Alors, Redemption qui dit que le soldat court pas assez vite, il est trop lourd, ça campe trop et les maps trop petites. Alors, quant aux maps trop petites, c'est vrai que j'ai tendance à dire à peu près pareil, ça dépend des maps. C'est vrai que celle-là, je la trouve un peu petite, les autres, ça va mieux. Mais bon, après, le soldat trop lourd, moi ça me dérange pas, c'est vrai que. Ça dépend si un peu des classes quand même. Nous allons gagner ! Ça dépend des classes, ouais. Ça dépend avec la soirée, le mitrailleur, SMG ou autre, ça va. Il est parti où le mec? Okay. Voilà. Après, avec un fusil d'assaut ou un sniper, c'est vrai que le mec il court moins vite, mais la rigueur, ça me paraît logique et c'est pas déconnant. Bah après, joueur Rainbow Six, reviens sur celui-ci, et je pense qu'au niveau vitesse et lourdeur, tu y retrouveras ton compte. Bah après. Moi je suis plutôt joueur Rainbow Six en ce moment et c'est vrai que j'ai pas souci de vitesse. Je trouve que c'est limite un peu trop rapide des fois. Ok.
Et il y a aussi, donc comme je disais, l'histoire des compétences, hein, donc, liées aux classes. Par exemple, donc là je joue avec la portée, et on voit qu'au fur et à mesure des niveaux, ben, on progresse plus vite, c'est-à-dire que voilà, le personnage escalade les obstacles beaucoup plus vite, puis la distance de sprint est accrue. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en jeu, hein. Je pense qu'il va falloir se familiariser. Mais bon, après je peux tout à fait aussi comprendre que les gens préfèrent, voilà, quand c'est un peu plus rapide, un peu plus nerveux, comme on a pu voir dans les Infinite Warfare ou Advanced Warfare. C'est sûr. Redemption qui nous dit que BF1 est largement mieux. Alors voilà, c'est pas du tout le même jeu. On est vrai qu'on est sur des FPS les deux, mais c'est... On cherche pas du tout, je pense, le même plaisir entre Call of Duty et BF. C'est sûr que BF est une pépite entre guillemets pour moi, mais voilà, je crache pas sur celui-là non plus, on va dire. Bon, Rainbow, si t'as envie de tous me les enlever, tu me dis, hein. Ah bah, je te le dis, tu sais bien comment je joue, hein. Toujours, j'arrive toujours dans le dos, moi. Voilà. Oh bah, regarde encore celui-ci, quoi. Coquin, va. C'est bien que je suis un os de la finition. Tu joues avec quoi, là? T'es en SMG? Ah ouais, toujours, moi. Pareil de reconnaissance dans votre silencieux. Secteur. Toujours. Alors, près de la grange, je crois que vous avez du monde. Non, finalement personne. Il est bien blessé. Après, pour revenir sur la question, par exemple sur les maps trop petites ou trop grandes, c'est pareil, c'est comme beaucoup de choses, c'est une histoire de goût, parce que moi, au contraire, quand les maps est trop grandes, j'en ai marre de courir sur toute la map, tu vois, donc j'aime bien quand c'est un peu petit, nerveux. Ouais, je suis plutôt... Voilà, je il faut un juste dessus. Milieu, ni trop petit, ni trop grand, voilà, on est loin de cargaison, hein, au niveau taille. Pour ceux qui connaissent Code 4, voilà, hein, ça c'est petit. Mais JK est devenu fan de GL, merci à toi pour le follow, bienvenue. Vol de reconnaissance terminé. Non, moi je trouve que les maps sont plutôt bien équilibrées, justement. Je me souviens de bah, World War 1, le tout premier. Bah, elles étaient immenses, hein, sur le premier. Ouais, avec les tanks, les machins, enfin c'était... Je passe ton temps à cavaler, moi j'en pouvais plus, perso. Alors ça sera peut-être le cas dans la version finale, hein. Aujourd'hui on a que 3 maps. Elles sont de taille moyenne, je trouve, moi dans l'ensemble. Voilà, elles sont de bonne taille. Peut-être que dans la version finale, il y aura les mêmes maps comme sur le premier. J'espère pas, mais... Alors, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui n'a jamais joué à COD? C'est une question de rédemption. Évitez de camper. Non, après, je sais pas, un conseil, ouais, j'avoue que c'est une bonne question, mais... Un vrai conseil, ouais. Pour moi, c'est jouer. Plus ouais, tu vas jouer, pas lâcher plus la tu vas manette, ouais. Alors, c'est sûr, au début, tu vas pleurer, mais au bout d'un moment, tu commences à prendre un peu de plaisir. Comme tous les jeux, quoi, hein, je veux dire, c'est histoire de prendre tes marques, et puis après, ça vient. Surtout que, bon, voilà, Call of, ça reste quand même un FPS arcade, qui nécessite pas trop d'un gros temps d'adaptation, j'ai envie de dire. Après, c'est sûr que si tu veux faire des trucs un peu plus élaborés comme des trickshots ou des machins, reconnaissance de cible en cours. Moi perso, je laisse ça au kipou. Tu vois là par exemple, là, le mec, je vais te mettre le dans la tête. Non, il est pas mort. Zartek qui nous demande à quand le giveaway. Alors, il y a déjà une partie qui a été donnée. Ouais. En fait, le code il est en 3 parties et là pour l'instant, il y a déjà une partie qui vient d'être donnée. Après, je rappelle l'attention qui redemande, qui dit je rush en fait mais je galère. Alors c'est vrai que au niveau rush après, je sais pas trop. Après c'est vrai qu'il faut des armes très rapides, genre les fusils mitrailleurs, les pistolets mitrailleurs. Et ce qu'on appelle SMG. Je pense que c'est difficile de rush au début tant que t'as pas tous les atouts en fait. Tu connais pas la map non plus. Tu connais pas la map et même tous les atouts. C'est vrai qu'une fois que tu pousses un peu plus les atouts, t'as beaucoup de... En aéroporté, un truc comme ça, où
T'as des trucs qui aident le sprint en fait. Et je pense que une fois que t'as ça, c'est un peu plus sympa de rush. Après on dit rush et camp, mais il y a aussi l'intermédiaire hein. Le but c'est pas de rester trop sur place, mais de pas non plus foncer tête baissée comme un idiot hein. Il faut tu avances, tu fais des frags, tu te poses deux secondes, hop, hop, tu repars et ainsi de suite. Enfin, je pense que il y a ce style de jeu un peu entre les deux où il faut savoir prendre son temps aussi des fois. Ouais, c'est ce qu'on appelle jouer tactique quoi. Eh oui, c'est Rainbow. Si vous regardez Rainbow, de toute façon, vous êtes sur son écran. C'est tactique. C'est pas allongé dans un coin, ça, mais je prends mon temps pour. Bien sûr, ça c'est de la camp. Après, voilà, faut jouer intelligent. Faut jouer intelligent avec le drone par exemple. Si on voit que. J'ai pas le temps de balancer. Je veux dire, ça sert à rien d'aller au contact avec le drone. On voit qu'il y a un point rouge qui va arriver. Là, on peut attendre un peu effectivement que le mec passe la porte. Ça s'appelle de l'intelligence, c'est pas campé. Excuse-moi, je t'ai coupé comme tu disais, Zartek a pas. Zartek qui redemande le début du code, si c'est possible. Ah, le début du code. Alors ouais. C'est Cacao 6 délire 8. Mais de toute façon je vais le redonner hein, avec la deuxième partie tout à l'heure. Alors là, si les gens ne comprennent pas ce que je viens de dire, Cacao 6 délire 8, donc je traduis C6D8. Voilà, donc c'est la première partie du code qui sera rentrée directement sur PlayStation Store. Et c'est la seule partie qui comporte des chiffres. Tout le reste, ça sera des mots. Et donc, Redemption qui dit les atouts, tu veux dire quoi par là? Alors, les atouts, on avait vu tout à l'heure, donc il y a les atouts de classe, enfin de division pour le coup, ils sont dans celui-là. Donc, c'est vrai qu'en. Alors, moi je joue en infanterie. Mais il y a quoi? Il y a vitesse de déplacement accrue, il y a baïonnette, chargeur supplémentaire. Et en fonction de la division que t'as, donc t'as différents atouts aussi. Et c'est vrai que par exemple la vitesse de déplacement accrue en visant, c'est vachement plus sympa quand tu rushes. Après pour arriver au niveau 4 de l'infanterie, là il faut jouer hein, parce que là j'en suis qu'au niveau 2 et je suis level 20 ou 19, un truc comme ça. C'est un peu long, mais c'est bien, ce que je veux dire c'est qu'on n'obtient pas tous les atouts rapidement quoi. Il faut jouer quoi. Alors je crois que j'ai vu une question passer. Et donc et après il y a la. On me demandait avec quelle arme je jouais. Alors moi je joue avec la PSH, enfin la Pichit, je l'appelle la Pichit moi. Donc c'est une SMG. Donc je joue avec ça, avec la classe aéroportée, j'ai vraiment du mal. Pour pouvoir jouer avec le silencieux parce que c'est mon style de jeu, moi j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu à base de fantômes. Ne pas apparaître sur les drones ennemis, toujours essayer un peu d'utiliser mon cerveau pour arriver dans le dos, pour contourner. Donc voilà, moi je joue principalement avec ça. Et merci pour tous les nouveaux follow, là je viens de voir 3 nouveaux fans. C'est sympa vous, merci beaucoup les gens. Après par exemple, c'est vrai que t'as la division montagne qui te permet de pas apparaître sur les drones. Ça c'est vachement sympa quand tu rushes. Ouais, donc vrai. Après effectivement, la division montagne est de base faite pour les snipers. Maintenant tu peux effectivement la coupler avec un SMG silencieux si tu veux apparaître sur aucun drone. Voilà, j'en vois beaucoup qui l'utilisent pour ces atouts là. Alors je crois que tu peux pas justement parce que comme la compétence est liée à la classe sniper. Donc du coup si tu prends ta classe on va dire montagne, tu auras l'habit de le camo sniper. Tu peux prendre une SMG mais du coup tu pourras pas mettre ton silencieux parce que c'est une compétence qui est réservée à la classe aéroportée. Oui, voilà, tu pourras pas mettre ton silencieux mais. Mais par contre tu seras quand même avec ta SMG et invisible sur les drones, ouais. Sur les drones, ouais. Et même au niveau supérieur encore, tu peux même être invisible sur les atouts de soutien des ennemis. Donc ça c'est aussi très intéressant. Alors il y en a un qui est là. Et je l'ai raté. Alors après moi j'avoue que dans la version finale j'aimerais la possibilité de pouvoir avoir un silencieux plus ne pas apparaître sur le radar. Après quitte à péter un accessoire sur l'arme, c'est pas grave. Je m'en fous de ça. Mais j'espère que ça sera possible. Oh, pour être full, full ghost. Et je crois qu'il y a eu un nouveau follow donc j'ai pas vu le pseudo mais merci à toi.
c'est à du 35. Bienvenue sur la chaîne. Oh bah disons, mais ils doivent pas. Ah oui, ils sont trois en face, parce que je me dis, j'ai du mal à les trouver, les bonhommes. Donc là, la fameuse map hein, dont on parlait tout à l'heure, la forêt d'Ardennes. Ouais. Moi, je la trouve plutôt chouette, j'aime bien cette ambiance un peu avec la neige, tout ça. Attends. Aïe. Aïe. Oh lui. Ah non. Oh. Ah, y a du monde qui se connecte sur la game. Ça va être un peu plus speed parce que là. Ouais, c'est vrai que là. C'est calme. Anatole, bienvenue à toi, merci pour le follow. Bon, désolé si on répond pas aux questions en même temps qu'on vous, c'est un peu compliqué d'avoir les yeux fixés sur l'écran et sur le. Ah, mais c'est le boulot de Clément, mais hein. Non, si on est fan de JVL. Ah, merci à toi, merci pour tes questions. Ah, y'en a au milieu, oh là là, y'a du monde là. Ouais, ok. Noctina, allez, c'était bon, on arrête plus là, merci les gars, hein. Bienvenue. Salut à tous au fait hein, ouais, je le dis pas forcément à chaque fois que ça rejoint mais vous accueillez sur le live, les bras ouverts. N'hésitez pas à poser des questions, on fera une petite pause à la fin de la game pour répondre. Voilà, près de, alors, je sais pas si c'est une église mais on va dire l'église hein, il y a du monde hein. J'ai du mal. En tout cas, les drops ils passent super bien dans le jeu, je suis plutôt content. Ah oui. Ok. Je vais fuir comme un lâche. Colis stratégique ennemi repéré. Ne les laissez pas se ravitailler. Tu peux lancer ton colis, Titi. Voilà. Diesel, paré. Oh. Zartek qui nous dit qu'il aime pas trop la minimap. Alors, c'est vrai que pour le coup, le HUD est vachement épuré. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est vrai que. Bah, ça correspond avec l'univers du jeu, quoi. Ouais. On voit pas les grenades aussi, par exemple. On a tendance à moins voir. Avant, t'avais un indicateur qui te prenait tout l'écran et qui te disait attention grenade. Là, si t'es pas, si t'as pas le pied dessus, t'as tendance à moins le voir. Et on accueille Rise sur la chaîne et qui nous follow. Merci à toi, bienvenue. Salut, salut. Mais du coup, c'est vrai que non, la minimap est spéciale, mais du coup, je l'aime bien intégrée, comme disait Ah, purée. Bah, correspond vraiment à l'univers du jeu. Enfin, ça aurait été compliqué d'avoir une map avec plein d'indications, machin haute, alors que bah, de base, pour rappeler, quoi, on est à la Seconde Guerre mondiale, on. Enfin, voilà, quoi, c'est. À la rigueur, il y en aurait pas eu, limite, ça m'aurait pas déplu, tu vois. Je veux pas jouer en hardcore, mais. J'aurais compris le principe, quoi. Oh, j'irais pas ça, mais c'est vrai que non. Moi, c'est. Quelque chose qui me dérange. Bah... Après c'est pareil, par exemple pour la minimap, il y a un atout dans la classe. Alors, attendez, je suis en train de. Ah, je suis en train de me faire poutrer là. Il y a un atout en fait qui permet de d'étendre la vision de la minimap. C'est-à-dire que quand les gars ils tirent et qu'ils sont en dehors de la minimap, tu vois quand même un point rouge qui te donne la direction. Oui, alors c'est vrai qu'elle est vachement rapprochée la minimap. Ah oui, oui, c'est court. Hein. Que dans les autres Call of, t'es si peu d'informations. Mais c'est vrai que du coup, oui, comme tu dis, t'as l'atout qui te permet de voir un peu plus. Oh, lui il veut pas, hein.
Voilà, lui il veut pas, on est d'accord. Voilà, rédemption en fait qui dit des précisions, ils auraient dû la mettre en bas au lieu de en haut la minimap. Et peut-on l'agrandir alors, comme on dit, selon un atout en fait. Bah, on l'agrandit alors... pas, mais on voit plus d'informations. Voilà, c'est ça. C'est œil de lynx, je crois. Et donc, la jauge de santé n'existera pas, non. Comme abandonnée depuis quelques années par les Call of Duty. Alors là, j'entends, ça fait combien? 6, 7 ans. Ah non! Ah, le tof, il sert pas à grand chose quand même. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il y a plus de jauge de santé dans les Call of? De barre de santé, ouais. C'était avant Code 4, donc. Parce que Code 4, t'avais pas de barre de santé, hein. Non, non, oh, ça a toujours été de la santé qui se régénère au fur et à mesure. Non, non, dans les premiers Call of, t'avais de la santé. Le tout premier, oui. Dans Call of Duty 2, je me rappelle. Ah, la old school, je veux dire. Ouais. Ah, vraiment old school, ouais. Attention, que à ma droite, y'en a un. Ouais, il est par la petite maison dans la prairie. Je crois qu'il est mort. Ah non. Bon, et ben. Pas gagné. Les molotov, on les récupère sur la map. Non, c'est un. Enfin, un score streak, quoi. Score streak, pour le coup. C'est combien petit. Moins de 500 points, je crois. 350. 350, ouais. Ça fait à peu près 3 kills, une assist. Ouais, c'est ça. 3 kills, une assist. Alors qu'avant, on avait pour 3 kills un drone. Ah, le drone là c'est 550 points. Donc ça fait 5 kills et demi. D'ailleurs, de toute façon, le molotov je vais le retirer parce que je suis pas fan en fin de compte. Alors, moi je vais faire une petite pause. Hein. Je vais, comme ça, on va pouvoir répondre à s'il y a des questions. Sinon, ouais. Vous me dites, je lance. Vas-y. Non, pour l'instant, ça va aller. On répond aux questions. On répond, donc je continue. Bon, bah alors c'est bon. Je laisse tourner. Alors depuis tout à l'heure qu'on joue, on n'a pas encore fait Gibraltar. Hein. On n'a pas pu leur présenter Gibraltar, j'espère qu'on va pouvoir le faire sur la prochaine. Mais je crois que je l'ai jamais fait tout court, moi Gibraltar ça me parle pas du tout. Ah oui. Ah c'est possible. Après moi je l'ai fait en domination beaucoup, parce que je joue beaucoup en domination. J'ai dû la faire deux fois je crois. Ah moi je l'ai fait une dizaine de fois facile hein. À un moment donné je tombais que sur celle-ci donc. Mais là on va se faire pointe du hoc. On va bien la faire Gibraltar. Match à mort par équipe. Éliminer les forces de l'axe. À vos positions, ennemi en approche. Valentine a des îles. C'est deux fois. Tranché, hein. Direct. Grange, il y en a encore pas mal. Hein. Nous avons l'avantage. Il est au côté. Ils viennent descendre. Ouais, bah ils sont tous là, hein. Ils sont 4. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai voulu le suivre. Hein. Pas trop longtemps. Ouais, j'ai voulu le suivre et en fait, y en a 3 qui sont apparus devant moi. On a besoin de renfort. Alors, comme question, j'ai pas compris comment tu donnes le code. C'est en 3 parties, c'est 6, des 8, et après tu donnes les 6 autres chiffres. Ouais, c'est ça. Ouais. On va les donner toutes les au heures. Fur et à mesure du stream. Prochain vers 17h.
Ah, j'ai pas eu le temps. Alors, je trouve l'aide à la visée moins pété que dans d'autres Call of. Je sais pas si vous. Si vous avez cette sensation là aussi. Bah j'ai pas fait gaffe, j'avoue. C'est vrai que la dernière aide à la visée que j'avais regardée c'était sur le remasterisé et elle était abusée. Ah oui, oui, c'est abusé. Ah non, je le vois pas lui. Ah, très bonne question de rédemption. Tu me conseilles de jouer infanterie sur la bêta pour quelqu'un qui débute? Infanterie, je pense que c'est pas mal. Ouais, du coup, bah après, c'est par rapport à ton style de jeu. Infanterie, ouais, reporté, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est vrai qu'on a tous un style de jeu différent. Je pense que Hiro, qui avait tendance à être plus sniper avant, il choisira pas les mêmes que toi. Et moi qui suis plus fusil d'assaut, pareil. C'est aussi ça la. Le confort de ce Call of Duty. Contrairement à. Comment. Enfin, non. Similaire à Battlefield où il y a son medic, son soutien, son assaut. Alors il y a lui, je suis 13 qui vient pour la clé. Alors la clé en fait elle sera donnée en trois parties. Donc il y a une première partie qui a été donnée tout à l'heure. Et en fait une à 17h et une à je sais pas. Je donne la troisième partie à quelle heure? À 18 à la fin du stream. Et eh ben voilà mon tir d'infanterie qui a tué personne. Je suis heureux. Qui dit ouais, ah, ok, tu joues avec cette arme silencieuse, c'était un bon début pour moi. Bah ouais, je pense, ouais. Oh. Game du match, bien joué. Bien joué. Merci. Alors le truc qui nous dit Battlefield bon, finalement... a quand même largement au-dessus de ce jeu. C'est différent. C'est différent. Ouais, c'est quand même... On va dire que ça dépend du mode de jeu, c'est vrai que là, pour faire du match à mort, des trucs comme ça, c'est vachement moins teamplay que Battlefield. Battlefield avec une équipe, c'est vraiment l'éclate.
Mais bon, entre deux parties de Battlefield, ça permet de se vider un peu l'esprit. Et on a que Nico BST. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Donc là, bah voilà, on va jouer sur Gibraltar, point stratégique. Ah, cool. Comme ça, on va faire deux modes, un mode de jeu différent de celui qu'on a vu depuis le début. Et sur Gibraltar, la map que vous n'avez pas encore vue en notre compagnie. Donc là par exemple, pour revenir sur la progression de la division, donc les bonus de division, là je viens de passer niveau 3 de l'infanterie, donc je viens d'avoir des chargeurs supplémentaires pour mon arme principale. Voilà, c'est un exemple. Question de rédemption qui nous demande quel est notre ressenti vis-à-vis de la bêta pour l'instant. Point stratégique. Alors moi, je me prononçais en premier, après je laisserai parler héros, puis Gamer Clem. Me concernant, je suis plutôt satisfait. Bon, après avoir bien sûr dans la version finale, mais au moins un vrai retour aux sources. Depuis 2-3 épisodes qui commençaient à s'enquister dans l'aspect futuriste. Emplacement du point stratégique confirmé. Perdu Rimbaud dans le groupe. Ah oui, je suis tout seul sur la game. Bon bah non. Je vais hein, sur Gibraltar tout seul. Bon allez, sympa. D'accord. Ouais, ce que je vais faire, je vais sortir et je te réinvite. Ouais, hein. Du coup, je vais continuer à parler. Ouais, donc je disais les anciens épisodes qui, du coup, s'enquistent un peu trop dans la guerre futuriste avec le jetpack, les double sauts, le fait courir sur les murs, enfin, ouais, tout ce genre de conneries qui était pas du tout pour moi. Après, j'avoue que celui-là, au niveau multijoueur, ça va être sympa de retourner sur des affrontements beaucoup plus terre à terre. Et puis, ben. Avoir la campagne solo, je pense que la campagne solo sur la seconde guerre mondiale avec le savoir-faire entre guillemets de je joue compliqué qu'on débatte là. Ouais, donc je disais la campagne solo avec le savoir-faire des équipes de Call of Duty pour tout ce qui est un peu mise en scène et l'effet un peu hollywoodien. J'attends de voir la fameuse scène du débarquement en Normandie. Voilà, puis bah après le mode zombie qui est développé par des anciens de chez Visceral. Donc c'est ceux qui sont à l'origine de Dead Space. Et dont le premier trailer a quand même fait son petit effet au niveau ambiance. Donc ouais. Pour l'instant, un avis plutôt positif me concerne. À toi Hiro. Pareil, plutôt positif. Moi je suis plutôt content de revenir un peu aux sources avec des armes. Voilà, qui limite n'envoie pas de laser, quoi. On en était presque arrivé là, quoi. On se retrouvait dans un halo parfois. Mais non, la plus. Voilà, des armes plus. C'est les armes, moi, qui me plaisent bien. Et c'est en général, moi, ce qui me fait le jeu. Donc là, ces armes me plaisent bien dans l'ensemble. Donc le jeu me plaît bien dans l'ensemble. Voilà. Et Clem ? Ouais. Non, bah, pour moi, ouais, pour finir. Franchement, c'est un jeu que je trouve vachement sympa par rapport au dernier. C'est vrai que si j'ai acheté les derniers, c'était plus par curiosité. Et finalement, il y en a que j'ai touché deux fois. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible. Celui-là, si je l'achète, ça va être. Je vais y jouer quand même vachement plus. Après, je pense pas qu'on est dans le jeu de l'année, franchement. Mais non. En tout cas, on est sur un jeu qui est quand même sympa. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des graphismes, mais ça n'a pas beaucoup évolué, hein. Ça reste. Ouais, il y a Luchu 13 qui dit que graphiquement c'est de la PS3. C'est clair. C'est pas de la PS3, mais c'est pas non plus ce qu'on attend d'un nouveau jeu non plus. Et on remercie tous ceux qui nous ont follow là entre temps, qui nous rejoignent sur le chat, notamment Gnus. Salut à toi Gnus. Merci à lui pour le follow et à Jean Hull, voilà, on s'est compris. Merci à vous. Alors, je suis toujours pas dans le groupe, qu'est-ce qui se passe? Si, t'es avec moi là. Ça y est, c'est Clément qui est pas avec nous. Ouais. Alors, par le système de groupe, je le trouve un peu mal foutu. J'en ai été habitué à mieux quand même. Niveau des invites? Ouais, et puis pour s'y retrouver, quoi, savoir
qui était là ou pas. On est obligé de naviguer dans social. Ouais, je sais pas si ça sera le menu, le menu définitif, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils vont revoir le menu. Parce qu'ils nous ont habitués en général à des menus plutôt propres et plutôt bien ficelés. Je pense que là, ils ont fait un menu pour la bêta un peu allégé. Ouais. Et voilà quoi. Alors, je pense aussi. News qui nous a posé une question au sujet de code. Enfin, des codes. Alors, donc en live jusqu'à quelle heure? Donc 18h. Zartek et Genius qui nous dit: et les gars, j'ai rentré mes codes, j'ai que dalle. Samedi, vos codes sont disponibles et rien. Alors là, c'est du côté d'Activision que. Alors normalement, c'est un code à rentrer sur le site d'Activision qui après renvoie un mail avec le code pour la bêta. Et Zartek, non, on n'a pas donné le code encore, on a donné qu'une partie parce qu'on a qu'un seul. Ouais, cette année, Activision a été un peu. Comment dire, pas avare. Il y a eu la main lourde sur les codes. Ouais. Autant les dernières, on croulait sous les codes, on avait eu plus d'une dizaine. Autant là, ils nous en ont filé qu'un seul pour le stream. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils savent que le jeu est hyper hypé de dingue par pas mal de monde. Je sais pas du tout, mais on verra. En tout cas, donc on a qu'un seul code à donner, donc ça sera plus rapide. Hein, on donne au compte-goutte. C'est 12 caractères à entrer sur le PlayStation Store. On divise donc en 3 parties, donc 4 caractères à chaque fois. Donc je rappelle d'ailleurs les 4 premiers qui étaient sortis, donc c'est cacao 6, délire 8, donc C6D8. Voilà, vous notez ça sur un petit bout de papier. Et la suite arrivera à 17h et ça sera donc pour vous le plus rapide à l'entrée sur PlayStation Store. Donc Après, il existe d'autres astuces, mais elles sont pas forcément très gentilles, mais elles existent. Pour obtenir des codes ou obtenir en tout cas un accès à la bêta. Ouais, il y a passé sur les sites étrangers, etc. Il y en a pas mal qui l'ont fait, c'est vrai. Après, tu peux aussi précommander sur le PlayStation Store et puis annuler ta commande une fois la bêta terminée. Bon, voilà, il y a plusieurs façons d'obtenir un accès à la bêta. Oui, t'es débuté, mais recrédité après, mais bon. Rédemption qui dit de toute façon il y aura une bêta ouverte de Scott que normalement. Oui, c'est prévu. Alors je sais pas. Fin septembre ou octobre. Ah, je sais pas du tout. J'ai plus les dates en tête, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une bêta ouverte prévue. Ouais. Alors, faut peut-être attendre le main, mais ça fait genre 2 jours. Alors, ouais, je sais pas chez quel Ouais, je sais pas chez quel revendeur t'as pris aussi, mais. Personnellement, avec mon revendeur, j'ai eu un souci aussi de code. Mais bon, ça c'est. La prochaine partie à 17h, mais ça fait 3 parties, pas 2. La troisième, elle sera à 18h. Partac. Et comment ça, tu peux annuler ta commande sur le store? Alors, ça, je. Le sirop dire. Bah, en fait, après, tu sais, comme c'est une précommande, tu peux toujours annuler. Tu peux annuler avant l'achat du jeu. Bon voilà, comme disait Rainbow, ça va te débiter et si tu annules, ça te recréditera. Il y en a qui veulent peut-être pas être crédités pendant quelques jours. Il y en a qui peuvent peut-être pas. Il y en a qui peuvent peut-être pas, il y en a qui sont peut-être mineurs et donc dans ce cas-là, ils ont pas de carte bleue et je conseille pas. Donc j'interdirais même ce genre de pratique. Mais voilà. Le point stratégique est entre nos mains. Mais en fait, on joue en point stratégique, j'ai pas du tout percuté. Oui. Faut faire quoi alors? Parce que je connais pas ce mode. Donc en fait, t'as un point qui est situé sur la map. L'idée c'est que bah, tu te mets sur ce point là. Et au bout d'un certain. Oh là! Au bout d'un certain temps, en fait, l'équipe qui a réussi à le prendre garde les points pendant. A des points, en fait, obtient des points pendant tout le temps où ils ont réussi à garder le point. D'accord. Le point stratégique, l'ennemi peut le récupérer à tout moment s'ils arrivent à rentrer dans ce point pendant plusieurs secondes. Donc c'est de la camp. Voilà. C'est de la camp, oui et non. Il faut savoir aller plus loin que le point en lui-même pour retenir l'ennemi chez lui. Voilà, pour le retenir chez lui et faire en sorte que il ne prenne pas le point. Sachant que le point. Il reste qu'un certain temps en position. Je crois que c'est 1 minute, si je dis pas de bêtises. Non, 5 minutes, ouais, 4 minutes, je crois. Et
Et donc il va bouger d'endroit, sachant que par contre ça tourne, hein. c'est pas aléatoire. On a l'impression au début que c'est aléatoire, mais en fait pas du tout, hein. Il suit une certaine logique. Il est au centre tout d'abord et ensuite il va dans un camp puis dans un autre. Là, par exemple là on voit qu'il est chez nos adversaires. C'est sympa de jouer au snipe sur celle-là. Plus c'est une bonne petite map. Shanari 90 nous rejoint sur stream et suit la chaîne, merci à toi. Là je me fais punir. Et Redemption qui est exclu avec un majuscule. Ouais. Désolé, c'est pas nous, c'est le bot, hein. Il fait le taf automatiquement. Ouais, non. Batman, excuse-nous. Désolé, j'étais pas de... Non, t'inquiète. Alors, faut aller où? Dans tes commandes peut-être, non? Pas évident comme mode, hein, quand même. Je me demande si les fumigènes pourraient pas être sympas. C'est un mode très très stratégique. Il existait, il existait dans beaucoup de Call of, mais je crois que la toute première fois où on l'a vu débarquer, ça devait être dans Black Ops. Premier du nom, je vous dis pas de bêtises. Première fois où ce mode est apparu. Et il n'y est pas dans tous les Call of non plus. D'ailleurs, Infinite Warfare par exemple, je ne sais pas du tout vous dire s'il était présent parce que je n'ai pas joué à ce jeu là. Infinite quoi? Infinite Warfare. Ok, j'aimerais annuler ma préco, je fais comment? Alors ça presse putain de bordel dans PlayStation Store, je sais que c'est assez complexe, faut aller dans... Je crois que déjà faut passer. Ouais, en fait il faut pas aller dans le PlayStation Store en fait, il faut aller... je crois que de mémoire, il faut aller dans le centre de paiement, tu sais, de tes paiements. Ah, il faudrait que je sois déconnecté du jeu là pour t'expliquer en détail. T'as un endroit où en fait dans tes paramètres de compte sur ton menu de la PlayStation, dans les paramètres de compte, tu as un endroit où est lié ta carte bleue. À ce moment-là, en fait, tu peux normalement annuler des commandes. À vérifier. Sinon, si vous tapez sur internet à annulation de commande PlayStation Store, vous trouverez des petits tutos, pratiques. Ah, mais je suis en train de me rendre compte que je joue. Purée, je prends cher. Je suis en train de me rendre compte que je joue comme en match à mort, moi. C'est bien, t'as sauté toi, mais t'es mort quand même, Vince du 30 là. On a les professionnels du jump. Jump kill et autres. Ouais. Bon, on n'a pas vraiment joué le jeu non plus, hein, j'ai l'impression. Moi le premier, j'ai pas été vraiment sur les points. Et là il va bouger, hein, le point stratégique, il va revenir sur le. Vers l'arrière. Voilà. Là j'y suis d'ailleurs. Et j'étais pas tout seul. Arrive. C'est pour moi, c'est pour moi. Ouais. Bombe ennemie larguée, à couvert. Ah, celui-ci on devrait bien le garder, celui-ci on est bien positionné là. Ouais, 15 secondes et après il sera au niveau du canon là-bas. Ah, les mecs ils jouent pas ouais, le ouais. L'ennemi tient le point stratégique. Je suis sur le prochain. Oui, hein, ça suit une vraie logique, hein, c'est pas très compliqué. Moi pour le coup, il y a 4 points, je crois, il y a 4 emplacements. Merci pour le follow. Tout là-haut, hein, au niveau du
poste de communication. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Ouais, et ça arrive au niveau des l'escalier. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Emparez-vous du point stratégique, défendez-le. Ça arrive côté grotte, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Il y a des rebeux dans le jeu. Des rebeux dans le jeu, bah on est à la seconde guerre mondiale donc tu vas pas en trouver beaucoup, hein. Non. Bon. Après, qui en joue, qui joue ou qui. Pareil de reconnaissance ennemie dans le ciel. Bah j'espère bien que tout le monde puisse jouer à ce jeu là, hein. Rebeux ou pas. J'ai payé via porte-monnaie, j'ai mis de l'argent sur le porte-monnaie, du store, j'ai payé de cette manière, possible que ça me revienne. Normalement ouais, justement, c'est peut-être plus facile si que ça te revienne dans ton porte-monnaie, plutôt que de... Mais ouais, comme ça, je peux pas te donner l'information. Forza Forca Portugal 91. Salut à toi. Reconnaissance en cours. Emparez-vous du point stratégique. Défendez-le. Ah, on... Je l'ai où exactement? Reconnaissance en cours. Pour l'instant, c'est que on dira après parce que là, c'est vrai. On a besoin de renfort. Ouais, je suis en partie, ça va être un peu compliqué pour t'aider. Essaie de trouver sur Google, de toute façon, il y a toutes les informations. Je tape annuler précommande PlayStation Store et je dois tomber ou sur la fac PlayStation ou sur des forums, je t'explique comment ça marche à suivre. Parce que là, nous deux têtes, ça va être un peu compliqué. Merci Tino009, bienvenue. Bon, je prends cher, les gars. Pas pour vous, mais. Voilà, moi ça va pour l'instant, mais... Fier, hein, pour l'instant, après la map est pas évidente non plus, tu me diras, mais... Tire d'efficacité. Verrouillage de la zone visée. Moi j'ai tendance à aller vraiment... Embarquement Fritz X en cours. Ils sont en déroute, tuez-les tous. Je sais pas trop à cette statue comme ça, je pense qu'on tombe. Ah, il faut avoir l'habitude aussi, hein, de ce genre de mode. À Portugal qui demande si ça va. Bah écoute, nous ça va. Nous ça va, ça aussi. Va. Et merci toi, à toi. Je crois que c'est la première fois qu'on me demande si ça va sur Insta. C'est cool, c'est sympa. Mais c'est important. Bah ouais. Il a raison et merci de te soucier de notre santé mentale. Oh, salut votre héros. Y'en a un à ta droite aussi. Ah mais j'en avais aussi un dans mon dos. C'est... J'ai pris le bouillon là. Ouais, ça explose de partout là. Ah, dans le petit trou là, là où t'étais avant. Allez, je vais faire ma pupute. Je l'ai eu. C'est parti. Allez, viens les gars. Ah non, je me suis fait tuer de là-haut. Eh, hey, on a repris la tête les gars, hein, pour info. Ouais, je prends rien à ce mode. Par contre là, il faut aller au canon là, il faut aller au canon. Ouais, ils sont tous derrière le canon là. On va essayer de les vagues. Ah, je me suis pris un molotov. Ça pardonne pas. Le point stratégique est pris d'assaut, on a besoin de renfort. Alors une chose qui est bien aussi, tout à l'heure ça m'est arrivé, hein, quand l'adversaire a un drone, vous pouvez tirer sur son drone, hein, si vous le trouvez. Reconnaissance en cours. Nouveau point stratégique en avant. Bombardement Fritz X en cours. Point stratégique sécurisé. Bombardement Fritz X en cours. Je suis arrivé.
Ah ouais, ils sont sacrément invisibles les drones, et en plus ils te battent le monde. Ah, ils sont gros, tu les tires 3-4 balles et ils s'en vont. Hein. D'accord. Ah, bonjour. Je me suis fait tuer. Bon, je pense que c'est pas un mode sur lequel j'évoluerai dans la version finale. Ah, c'est... Mais tu vois, ça, je pense que ça sera un mode de... Compétition. On parlait de compétition tout à l'heure. C'est un des modes réguliers de la compétition. Après, est-ce qu'il sera adapté à ce jeu et est-ce qu'ils l'adapteront? J'en ai aucune idée. En général, t'as de la domination, t'as du point stratégique, t'as la recherche et destruction, le grand classique en compétition. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils en aient pas mis pendant la bêta, je me serais bien fait de la recherche. C'est vrai. Ça serait très sympa, ouais. Peut-être qu'ils le mettront dans les jours à venir, pendant la bêta, c'est possible. Hein. On a déjà vu. Si je dis pas de bêtises, là c'est une bêta fermée uniquement sur PS4. Elle sera ouverte sur Xbox One la semaine prochaine, le week-end prochain. C'est ça. C'est ça. Hein. Alors, Kino qui demande si tu sais test le snipe. Je suis pas bon en snipe, mais. Ah, les Rainbow. Ah, les Rainbow. Montre-nous. Faire plaisir à la communauté, y a pas de soucis. Ouais, et puis surtout que les snipes sont vraiment pas dégueulasses sur celui-là. Faut le dire. Bah, le. Ouais, le Commonwealth, il est quand même violent, quand même. Ouais, ouais. Après, je pense que le M1. Le M1 garante, là, avec un petit viseur ou autre, ça peut être pas mal aussi. Bah, je trouve qu'il a un peu. Bah, il est pas mal comme fusil. Faut deux balles quoi. 2-3 balles, ouais, c'est vrai que. Ça remplacera pas un sniper. Mais c'est vrai que. Point stratégique sécurisé. On est tous au centre. Ouais. Ils tiennent le point stratégique. Ah, oui, d'accord, ils sont partis vers le point, ce qui est logique. Besoin de renfort. J'ai encore. Excusez. Il y a Goldorio 10 qui nous passe le bonjour. Salut à toi. Bienvenue. Salut. Bon, je crois que je vais reprendre autre chose que le snipe. J'arrive pas encore à me positionner sur cette map. Ils ont capturé le point stratégique. Ouais, ok, ça vient derrière. Alors, je viens de découvrir que quand tu mettais un coup de couteau, enfin un coup de crosse avec un flingue, tu tuais pas le mec en un coup. Il faut lui mettre deux coups. Ah ouais, je sais pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non, bah là tu vois, j'ai mis un coup, ça fait le mec il prend cher, et puis en fait ils ont capturé le point stratégique. Point stratégique par les amis. Alors où est le point strat? Il est là. Nous avons l'avantage. Moi je vais essayer de les bloquer un petit peu dans le. J'aurais bien le prochain. Dans le spawn. Voilà où on est. Surveillance aérienne en cours. Nouveau point stratégique. En avant. Je suis en train de leur courir après, mais. C'est qui court vite, les messieurs? Point stratégique sécurisé. Ouais, des fois. Oula. Par où tu vas? Capturé
Moi bon, non. Ah par contre les tirs dans la tête, ils sont quand même difficiles à mettre. Des fois je vise que la tête et c'est difficile de mettre un headshot, hein, j'ai l'impression. Ouais, la bombe. Et défendez le point stratégique. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Le point stratégique est pris d'assaut. Alors une question de... J'ai pas vu le pseudo qui me demande ce que donne la bêta. Déjà bonjour à toi, bienvenue. Bah écoute, pour l'instant c'est pas trop mal. Protégez la zone de l'arrière. C'était un peu tout ce qui est Call of à l'ancienne. On discutait tout à l'heure, bon, y'en a qui aiment pas le... La lourdeur des personnages, notamment. C'est vrai que c'est un peu plus lent que dans les autres. Oh, les autres jeux, je vais prendre mon appareil de recours. Ah merde, je suis trop loin en plus. Je suis trop loin pour y retourner, désolé. Point stratégique sécurisé. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Ouh attends, on va aller là. Ça. Ah ouais. Mais des fois ils sont à bout portant, je les tue pas quoi. Alors c'est vrai que les appareils de reconnaissance sont facilement détruits. C'est super sympa ça. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. C'est un peu dommage. Mais... Je le croquais. Quel le point stratégique. Ah ouais, oui. Moi j'oublie les points là, en fait je joue en match à mort là. J'ai un peu oublié les points stratégiques, c'est dommage. C'est un peu le but du jeu là. Je vais faire du gameplay au snipe, c'est vrai que c'est pas trop... C'est pas évident pour moi. Ça va derrière moi. Bon désolé, j'ai repris ma classe. J'espère que ça t'aura pu voir un peu. Alors merci, impatient d'enfin retrouver ce retour au site de code. Ouais. Ils ont capturé le point stratégique. Ça fait franchement du bien. Le gameplay est beaucoup plus épuré, il y a moins d'atouts, moins de... Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Nouveau point stratégique. En avant. Point stratégique sous contrôle. Ah et puis même dans le HUD, hein, c'est vachement plus épuré, vachement plus sympa. C'est moins... Pas, derrière toi, Rambo. C'est pas agressif. Notamment, contre le... je reviens encore sur le même point, mais pour moi, c'est les grenades. Les grenades, quand tu recevais une grenade par les autres jeux, ça t'explosait l'écran, quoi. Ah, puis tu fais cette tête par avoir les viseurs qui vont à travers les murs, ce genre de conneries. Ah, je me souviens, c'est les viseurs thermiques qui voyaient à travers la fumée, les viseurs. Ouais, les viseurs thermiques, t'en auras. Hein. Ouais, mais tu sais, peut-être pas comme on avait dans. Je sais plus, c'était lequel, Black Ops 2, je crois. Je sais plus. Où tu sais, tu voyais la forme de. Tu sais, carrément du gars derrière le mur, tu vois. Ça, oui, oui, oui. Ouah, mais Rob là. Alors qui tombe, le Rob. Ouais, moi je carry sa tente. Après, il était où après ce point là? Là, il est bunker. Ouais, mais. Oh, mais j'arrive pas à les tuer là. Je n'arrive à rien. Je sais pas si. Non? Bon. Bon, après, je propose de changer de mode. Hein. Je sais pas. Oui, oui, on va changer. On va faire un mode guerre hein, entre temps pour. Mais c'est un truc de fou! D'ailleurs après la partie là je lancerai la deuxième partie du code pour la bêta. Donc restez à l'affût. Yes. Bah si vous voulez je remettrai un coup de guerre histoire de. Entre les deux. Je suis là. C'est là-bas. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Le point va changer, donc là il va être au milieu, non? Ouais, c'est ça. Niveau de. Ouais j'y étais en plus. C'est pour ça qu'il était sur moi. On gagne mais j'ai l'impression de me faire défoncer en permanence moi. Ils ont capturé le point stratégique. Ah, c'est
pas l'impression, hein. Je me fais défoncer en permanence. Par les alliés. Reconnaissance de cible en cours. Nouveau point stratégique. En avant. Ah, il faut tomber. Voilà, merci. Arrive sur le site. Tiens le point stratégique. Colis stratégique ennemi repéré. Arrêtez les tueurs ravitaillés. Point stratégique sous contrôle. Je pense qu'ils sont spawn sur le pont. Ah, je crois qu'il y en a un qui se fait écraser. Rambo, qu'est-ce que t'as récupéré? Alors j'ai vu qu'il y avait un atout là, les parachutistes, ça a l'air sympa. C'est un peu comme les... Un peu comme les chiens, mais en... Ou les soldats armés quoi. C'est ça, d'accord. C'est les chiens avec des fusils. Ah mais c'est des mecs qui courent un peu partout. Ouais c'est ça, c'est des NIA. Avec des bots quoi. Ils sont tous là. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop pétés? Ouais, ça a pas trop l'air. Je peux pas dire, j'ai jamais vu, mais ça a pas l'air. Point stratégique pris par les alliés. Pareil de reconnaissance, prêt. Reconnaissance lancée, surveillance aérienne en capture et le point stratégique. Ouais, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Oh, merci. Bon, on va essayer. Le point stratégique est pris d'assaut. Le point stratégique est pris d'assaut. Il a besoin de renfort. Allez, deux coups de prix là. Bien joué. Vol de reconnaissance terminé. Défendez le point stratégique. Bombardement et zone en cours. Un qui est touché dans le point. Warfarin, merci à toi pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Allez. Il demande à quand. Il demande à quand la clé. Alors la clé en fait elle arrive en trois parties. Une par heure. Là on va donner la deuxième partie juste après cette game. Ouais, j'ai pris une grenade. Capturé et défendez le point stratégique. Oh, sérieux, je t'ai pas eu ça, genre. Ah, mais là, il encaisse bien. Oh lâche. Ah, le mec, il veut pas mourir. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Oh, je me fais démonter sur cette game, c'est un truc de fou. Vraiment beaucoup de mal là. Ouais. Ils sont solides. Hein. Emplacement du point stratégique confirmé. C'est un sacré moment qu'ils jouent avec les drones en fait. Le point stratégique.
Ouais, c'est vrai qu'il joue avec beaucoup de drones. Donc là. Ah, on va perdre. On va perdre. Ouais. Ouais. Moins que, mais. Moins qu'on reprenne le point. Mais... Si on monte juste à la fin. Pareil de reconnaissance en attente d'instruction. Reconnaissance de cible en cours. Emplacement du point stratégique confirmé. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Tienne le point stratégique. On a égalité. On l'a plus. Dommage. Ah, puis c'est un drone donc c'est mort. Alors. Ouais, j'étais tous dessus là. T'as un petit problème de timer, je pense. Ouais. Bah ils attendent peut-être la fin du point stratégique, non? Je sais pas, je sais rien. Bienvenue dans la bêta. Ah, c'est pas grave, on va jouer des heures et des heures. Ça bouge. Non mais il y a peut-être un truc en fonction de si ça se discute ou pas quoi. Bientôt 17h, ouais. Bientôt 17h. Ouais, ah voilà, là on voit un bel exemple de ce qui existe hein. Mais bon, en même temps il est sur le point stratégique donc c'est normal hein. Là c'est encore moi qui meurs à la fin, putain, j'aurais de la chance. Allez, on va faire un retour en arrière. Allez, donc je vais lâcher la deuxième partie du code hein, donc on rappelle que c'est un code à rentrer directement sur le PlayStation Store et non pas sur le site de Activision. Donc un code composé de 12 caractères. Et que pour être sûr d'être bien compris, je donne des mots pour prendre la première lettre de chaque mot hein. Donc la première partie du code était cacao 6 délire 8, c'est-à-dire C6D8. Et donc la deuxième partie du code, donc à vos stylos messieurs, dames. Grenade, bazooka, naïade, arbalète. Je répète, grenade, bazooka, naïade, arbalète. C'est-à-dire GBNA. Ok, donc nous avons pour l'instant cacao, 6, délire, 8, grenade, bazooka, naïade, arbalète. Voilà, et la dernière partie donc qui sera donnée vers la fin du stream, c'est-à-dire un peu avant 18h. Et merci pour le follow, je n'ai pas vu ton pseudo, j'étais en train de lire mes fiches. Et bienvenue et merci. Allez, on repart en mode guerre. Ouais, je relance le mode guerre. Une fois que j'aurai fait cette game, messieurs, moi je vais vous abandonner. Donc je fais celle-ci avec vous et après je vous laisse. Ça marche. Alors, oublier les grenades fumigènes. J'attends de voir la mitraillette secrète, je me demande ce que c'est. Moi aussi. Est-ce que t'es niveau combien là en division? 4. Bon, messieurs, je vais vous laisser là. Finalement, je dois partir plus tôt. Désolé, à bientôt. Pas de soucis, bonne soirée. Ça marche. Salut, salut. Salut, Hiro. Merci à Warboss qui nous suit maintenant sur la chaîne. Bienvenue à toi. Bon, ça va être toi et moi, Clem, à l'ancienne. À l'ancienne. Bon, du coup, par contre, c'est qui Attends, on a encore Hiro dans le groupe. T'as testé la type 100 ou pas? Je me tâte. Moi je joue beaucoup type 100 en ce moment, ouais. Ouais, je le sais. Elle est vraiment. On est là pour ça. Hein. Elle est vraiment forte. Ah, là je l'ai monté. J'ai niveau. Niveau 10. D'accord. Donc, du coup, c'est toi qui gères le groupe? Ouais. Non, ah, bah, c'est bon. Juste attendre que. Bah, moi je nous vois tous les deux. C'est bon. Allez, bon. Ah, non, à mon avis, c'est toi. C'est moi, d'accord, ok. Que de pression. Alors. Moshpit, on n'a pas fait. Ah oui, c'est la rotation. Bon, bah, les modes guerre, on y va. Alors, Zartek. Je vais te redonner les mots, c'est un peu vite. Grenade, bazooka, naïade, arbalète. Donc c'est un N comme... Trouve-moi un mot qui commence par N, Clem. Un N? Ouais. On va faire déchiffrer des lettres. Vas-y. Déchiffrer des lettres? Oh, il y en a plein.
Mais justement, c'est quand tu me demandes ça que c'est difficile d'en trouver. Notre mission est de retarder l'ennemi jusqu'à ce que les renforts arrivent et non, de protéger nos canons anti-aériens pour empêcher les bombardiers ennemis de voler. Putain. Napalm, très bien, merci à toi. Napalm. Rush. Oui, voilà. Ouais, Rush Oshiat. J'adore ton pseudo. Napalm, très bien, voilà. Donc on y va, grenade, bazooka, napalm, arbalète. Défendez le poste et les renseignements confidentiels qui l'abritent. Y a du monde sur la partie. Pas... Dégommé. Ah, c'est moi j'y vais que. Ils prennent le poste de commandement. Défendez le poste de commandement. Je veux de la. Je trouve pas pour annuler ma préco de rédemption. Alors là, ouais. Je peux pas trop t'aider. Prenez le poste de commandement. Commandement attaqué. Empêchez les lancers de le commandement. Ah, j'ai perdu l'objectif. Ça c'est fait. L'ennemi a capturé notre poste de commandement, mais la bataille n'est pas encore jouée. Empêchez l'ennemi de reconstruire le pont détruit. Merci à toi. S'ils réussissent, leur char pourra traverser. Jack Bauer, un fan de 24. Merci à toi pour le flow, bienvenue. Ils construisent un pont! Ne laissez pas l'ennemi reconstruire le pont! Empêchez l'ennemi de construire ce pont. Balox, bienvenue à toi, merci pour le follow. Alors Rochuchel qui nous demande ce qu'on pense du jeu. Ah bah écoute, plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, c'est un retour aux sources, y'a pas de prise de tête. Ne laissez pas l'ennemi construire leur pont. Et puis les histoires de. L'ennemi construit un pont. De jetpack, exosquelette, ces petites choses là, ça fait franchement plaisir. Ouais, non, franchement, c'est un bon jeu. Alors, c'est sûr que. Ça sera pas le jeu de l'année, comme on a dit plusieurs fois. On attend plus d'un jeu de l'année. Mais ça sera c'est une bonne solution. Ouais, ça sera un beau voilà. Un pont. De toute façon, je pense qu'on est à un stade où il y a tellement eu de Call of et les gens en attendent tellement qu'on n'aura plus de Call of jeu de l'année. À moins un jeu exceptionnel, mais de fini. C'est plus assez novateur. L'ennemi construit un pont. La prise de risque qui a été prise cette année pour rendre le jeu un peu moins. Hop là. Prendre le jeu un peu moins on pourrait dire farfelu quoi. Ce pont ne doit pas être reconstruit. Le pont est en cours de construction. Ouais. Et puis je vois vraiment pas comment on pourrait avoir des super nouveautés aussi Ah ça quand même licence c'est plus d'année en année, c'est un peu compliqué de renouveler Voilà. Mais non, c'est un jeu où pour l'instant, tous les gens avec qui j'ai discuté ont pris du plaisir et puis voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est important, je veux dire, ça fait quelques heures qu'on est dessus et y a pas de lassitude. Alors malgré trois maps, que quelques modes. Ils ne doivent pas construire ce pont. Le pont est en cours de construction. Thank you.
30 merci secondes. À Yann pour le follow, bienvenue à toi. Ils construisent un pont. L'ennemi construit un pont. Encore 10 secondes. C'est vraiment de la chance. Dimanche on arrive. Sur One, on a empêché l'ennemi de construire son pont et nos renforts sont là. Après honnêtement si t'aimes la licence je pense que tu seras pas... Après oui si on le sait si t'aimes ça dépend à quel moment t'es arrivé dessus. Et si t'aimes un peu plus les combats terrestres tu seras pas dépaysé quoi. Après c'est sûr si ton kiff c'est plus voilà, les jetpacks, le fait de courir sur les murs et tout. Ça pourrait te plaire mais tu pourras peut-être te lasser, voilà, c'est vraiment fonction des goûts. Donc là, on pourra pas. Moi je trouve un jeu auquel il ressemble beaucoup. Merci à toi Altonix. Alors je me trompe peut-être, c'est Black Ops 1. Dernièrement. C'est pas fort pour les séries. Dernier... Ouais c'est vrai. Le dernier jeu auquel j'ai pris, le dernier Call of en tout cas, auquel je prenais beaucoup de plaisir, c'était Black Ops 1. Et là ça revient un petit peu. Alors depuis MW3 je faisais de la compète sur BO2 et les suivants. Non, BO2, si, c'était... Bon, il y avait des trucs un peu futuristes, mais bon, c'était pas non plus... Pour moi, Black Ops 2, non, je pense... c'est un avis plutôt personnel, Black ça, Ops... ça a été le déclin de la série. Pour moi. Pour moi, ça a commencé là. Oh, ah, c'était encore un bon jeu, je trouve, Black Ops 2. Ah, j'ai pas aimé du tout. C'était pas non plus ce que c'est devenu par la suite. Je pense que pour moi, c'était le dernier, plutôt. Moi, je dirais... c'était le dernier Black Ops 2. Ah mais c'est clair que là, de toute façon maintenant là tu mets un Infinite Warfare ou un Black Ops 2, je préfère largement jouer à Black Ops 2. Hein. Ça c'est sûr. Après quitte à choisir, moi c'est Modern Warfare. THD56, fan de JVM, merci à toi de mon pouce, mon chef. Ah j'ai des mecs qui vont au pompe quoi. Après c'est vrai qu'on est arrivé sur des jeux avec... 74 pardon, j'ai un peu mal. Mais non, on est arrivé à des jeux où c'était vachement... Par exemple, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais avec Black Ops 3, de mettre des espèces d'ulti entre guillemets pour les persos qui venaient un peu des MOBA. Alors là, c'était... Bon, je fais un bisou à Jarod qui va nous suivre, qui va nous rejoindre sur la chaîne qui nous suit. Jarod, un collègue. Je me suis fait coincer. Bienvenue à toi. Salut Jarod. C'est Monsieur Gameplay. D'ailleurs, il va vous préparer du gameplay. Ah. Sur Call of, je crois, prochainement. Suivez le site. Ouais, j'étais agressif là, gars. Non, donc voilà, non, franchement, c'est un jeu où je pense qu'on peut. Où pas n'importe qui, mais. En tout cas, beaucoup de personnes vont prendre du plaisir, ça c'est sûr. Ouais, ils ont l'air vraiment d'abord. Après, ça va être un gros plus pour ceux qui aiment la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi je sais que j'en fais pas trop partie, mais à côté de ce qu'on a eu dernièrement, je vais pas faire ma fine bouche. Après, moi j'avoue, je cache pas que j'attends avec impatience, et j'espère que ça sera un jour un Modern Warfare 4. Alors, combien de maps sur dispo sur la bêta? Alors on a 3 maps entre guillemets en match à mort, domination et Dark Point, le dernier plus une map de guerre. Ça fait environ 4 maps. Sachant qu'il y a une map qui est juste pour mode guerre donc et après voilà. Si on arrive à avoir beaucoup de modes guerre, je pense dans le jeu ça va être excellent. Bon, il va falloir sortir le snipe après. Ah, Noah est devenu fan de JVL, merci à toi Noah, bienvenue. Et merci à tous les autres, hein. Je sais que j'ai entendu la notification comme quoi il y a eu des nouveaux follow, mais j'ai pas vu les pseudos donc. Désolé les gars, mais bienvenue à vous. Wow. Ah bah ça la tourelle. Allez, on va sortir le sniper, de toute façon on a pas le choix avec les fumigènes. Alors,
pas dodo Théo. What? Ok, joli, joli, joli. Chatteuse, mais jolie. D'en fumer la sulfate là-haut là. Ah, c'est un peu compliqué là quand même. Dolyman, oh. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Bon, ouais, je rappelle qu'il y a une clé bêta pour la bêta à gagner. On a déjà donné deux parties sur le code et sur 3. Je pose, il diffuse. Il y a un con qui arrive à droite. J'ai une go aussi. Ouais, ils sont deux sur la bombe. Eddy, bienvenue à toi, Eddy du 13. C'est où le 13? Versailles. Versailles? Oh. Nickel ça. Ouais, il faut bien aller sur la chaîne. Protéger notre charge jusqu'à ce qu'il soit à portée de la batterie principale pour détruire les canons de 80.
Mayotte, pour le gagner sur la chaîne à toi. Là-dedans, je trouve ça, ouais, c'est génial. C'est vrai. C'est ainsi que moi un joueur ratio. T'as pas de ratio, donc du coup t'as plus tendance à jouer l'objectif. C'est vrai, c'est vrai. Technique est devenu fan de JVL, merci à toi l'ami. L'église là, ouais. C'est un peu compliqué, faudrait faire le ménage là dedans. Alors je sais pas si on est rentré par là. Oh non, je peux pas. Pas de chance. Alors, je crois que j'ai eu des questions passées, j'ai pas fait gaffe. On verra ça après. Je suis vraiment de la merde, hein. Désolé. Mayotte qui dit j'ai la bêta. Alors, si tu peux nous dire à toi aussi ce que t'en penses un peu, il y a plusieurs avis aussi. C'est vrai. En quelques mots, hein, pas. Il nous écrire un livre, mais. Plus, déjà qui dit intense mode de jeu. Ouais, franchement c'est plutôt intense, c'est. Moi j'aime bien. C'est clair. C'est novateur. Notamment le fait de changer d'objectif et ce qui fait que c'est pas mal. Joker est devenu fan de JL, merci à toi, bienvenue sur le stream. N'hésitez pas, hein, comme disait Clem, à nous dire ce que vous pensez de la bêta pour ceux qui peuvent y jouer. Mm. Puis même ceux qui jouent pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on propose et qu'est-ce que vous attendiez peut-être en plus, notamment de ce jeu. S'il y avait un mode particulier, si le retour à la Seconde Guerre mondiale vous plaît. Alors Manette qui dit j'aime bien mais je l'ai pas acheté. Non, après voilà, c'est vrai que entre faire une bêta et lâcher, c'est sûr que c'est différent. Mais en tout cas, non, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours dans mon groupe? Lui, on va aller partir un peu en MME. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les classes? Ou les choses à voir, les atouts, les compétences, les séries d'élimination, ce genre de choses? Pour l'instant, non. Écoute, elle est pas mal, tu sens, effectivement. Bah, rédemption, c'est pas qu'on veut pas t'expliquer, c'est juste qu'en fait, là, en tout cas, durant le live, c'est pas possible. Alors après, essaye de revoir de peut-être sur le forum de JVL, peut-être en postant un... oui. Quelque chose, sûrement qu'on pourrait revenir plus tard. Et ouais, il y aura peut-être des gens qui pourront t'aider aussi. Après, c'est vrai que durant le live, on n'a pas la possibilité de voir directement ce qu'on fait, c'est un peu difficile, en tout cas pour l'instant. Bienvenue à toi, Si Surfer 84, nouveau follow, merci beaucoup.
Match à mort par équipe. Éliminez les forces de l'axe. Après, je te dis, va voir, tu peux poster un post sur le forum ou. Ouais, tu vas sur jeuxvideo-live.com/forum. Voilà, tu crées un sujet. Et j'essaierai même d'aller répondre personnellement. On a une meilleure puissance de feu! Il y a du monde en face. Un qui arrive. Je crois que ça campe un peu au fond de la map. J'aime beaucoup à leur spawn. Fanlara est devenu fan de Juel, merci à toi l'ami, bienvenue sur le forum, sur la chaîne. Je commence à fatiguer, je crois. C'est vrai qu'on est à combien de streams là? Je regarde le compteur, 2h20, ouais. Je vais attendre, mais maintenant je meurs en vie du jeu. Alors, si Surfer, si. Je sais pas si t'as une bêta, en tout cas si t'en as pas, on est en train de faire gagner une clé à la fin du stream. Samu418 est devenu fan de la chaîne, merci à toi. Vol de reconnaissance terminé. Ah ouais, ok, j'ai plus de munitions. Je sais pas, je suis dans le mage. Dommage. Ça manque un peu le pire quand même. Ça aurait été bien une autre couleur pour les alliés. Comment? Du groupe. Les alliés. Enfin, les groupes, ouais. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que entre l'espèce de bleu et l'espèce de vert, donner d'autres tons en fait. Un peu plus visible, ça serait pas mal. Aérienne en
chaud. Moi je sais pas tout ce qu'il pourrait mettre comme De quoi? En plus, ouais, comme score streak. Je sais pas trop ce qu'ils vont mettre comme score streak en plus. Gravity 420 est devenu fan de la chaîne. Bienvenue à toi, merci pour le follow. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que. Merci. Nous avons gagné. C'est qu'en fait, ils sont pas abusés, je veux dire, et ils retentent pas le tournant d'un match, quoi. Sur certains clubs, tu débloquais, je sais pas, un Pablo, un S630, un genre de conneries, tu pouvais vraiment là te gaver de points et de kills et vraiment renverser la vapeur d'une partie. Là, c'est pas vraiment le cas. Parce que même le missile là qui s'apparente un peu à un Predator reste quand même assez difficile à manier. Il est pas si simple, hein. Ouais, pas évident à manier, quoi. Donc, c'est plutôt aussi pour ça que c'est plutôt pas mal d'avoir le mode quartier général qui permettra de s'entraîner au tir de score streak. Donc, ouais, non, franchement. Pour l'instant, voilà, le jeu est plutôt bon. D'ailleurs, là, je vais créer la preview qui sera en ligne sur le site demain soir, pour ceux que ça intéresse. Non, et puis, ouais, il n'y a pas de score streak abusé. Et puis, ils sont difficiles aussi à avoir. En tout cas, plus difficiles que dans les anciens. Avant, c'était 3 pour un drone. Maintenant, c'est 5 kills. Après voilà, c'est des points donc c'est pas vraiment que des kills, mais ça environ à peu près 5 kills. Après pour les parachutistes c'est 1200 points, c'est élevé. Les parachutistes c'est 1200 je crois, ouais, parce que là j'ai fait une très très bonne série, j'ai même pas réussi, je crois que je vais être aux deux tiers du truc, quoi. Donc, je regarde tout de suite, c'est 1250. Ouais, ouais. 1250, ça fait quand même 12 kills, donc c'est pas donné, hein. C'est vrai. C'est pas donné. Match à mort par équipe. Allez. On est reparti. Rambaval, bienvenue à toi, merci pour le follow. À vos positions, ennemi en approche. Mouvement dans la tranchée. Après c'est pareil au niveau des accessoires, est-ce qu'on a tout vu ou est-ce qu'on aura encore ça c'est une bonne question. Parce que là c'est vrai que si on fait un peu le tour des accessoires, c'est plutôt basique, hein, au niveau on retrouve le viseur, voilà celui-là, le viseur, espèce de mire un peu laser, hein. On retrouve les poignets, il y a quoi d'autre, aide-moi à voir quand même un peu. Merci Baggy, merci pour les poignets. Pour les doubles chargeurs, il y a le tir rapide. Après, il y a différents canons aussi pour la portée, pour le. Pour le recul en vis à la hanche. Et il y a quoi d'autre? Il y a. Des balles blindées aussi. Balles blindées. Ouais, donc, voilà, on trouve un peu les. Un truc un peu classique, j'ai envie de dire. Dommage. Et donc on est loin un peu de tous les viseurs un peu pétés qu'on avait, notamment les viseurs thermiques, les balles de chercheuse, ce genre de conneries. Ouais non, c'est... Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir d'abus, il n'y a pas l'air d'avoir de... Non, mais par contre il n'y a que des obus. Ok, bon, on va parler. Vol de reconnaissance terminé.
Non, y a pas de... En fait, il n'y a pas de grosse erreur du jeu. Il n'y a pas de, d'éléments déplaisants, je trouve. Mais bon, le tout n'est pas forcément super bien orchestré non plus. On va dire que c'est ça, plus. Bon, mais après, c'est qu'une bêta, hein. on n'a pas accès à tout, toutes les armes, tous les... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais je vois pas de, de grosse erreur de la part de Sledgehammer pour le jeu, en tout cas. Bon, voilà, on va dire qu'ils sont revenus à un call-off simple, quoi. Source, basique. Tu prends ta pétoire, c'est parti, quoi. Voilà. RSA de France, bienvenue à toi. Et merci pour le follow. Reconnaissance de cible en cours. Hein, même sur la bêta, comme on disait plus tôt, les mecs qui jouent leur vie, même sur une bêta. Ah, voilà, ça arrive. Si les mecs préfèrent garder les briques, la mur dans un coin plutôt que le courrier avant de plus là, quoi. C'est un peu leur souci, j'ai envie de dire, mais là, c'est un peu con quoi. Mais je pense que de toute façon la communauté sur Call of se portera mieux le jour où, de bombardement Fritz X où Activision retirera le ratio. Enfin du moins le ratio visible par les joueurs. Bah, ça se voit tout simplement en, sur les deux modes de jeu. En, bah bon match à mort c'est différent. C'est vrai que t'as tendance à plus jouer ton ratio quand même. Mais tu vas sur le. Tu vas sur l'autre mode de jeu. Qui est le mode guerre, t'as pas ce ratio. Et à part sur l'endroit du pont là, les gens campent que l'objectif hein. Ah c'est vrai, c'est vrai. Y'a pas de gros campeurs dans ce mode de jeu. Ou sinon c'est pour l'objectif, donc c'est compréhensible. Enfin, de toute façon, dès que c'est des modes objectifs, moi je pars du principe que c'est pas de la camp parce que c'est but quoi. Ça dépend l'endroit où t'es. Oui, aussi, c'est ça. Si t'es sur l'objectif, bah tu le défends. Par exemple, on va reprendre de la recherche et des solutions. Moi je sais que sur les anciens Call of, je me suis déjà fait traiter de campeur parce que j'ai défendu une bombe. Je vais dire, mec, c'est le but du jeu. Ouais, voilà. Tu vois, bon. Alors, il y a Six Surfer qui dit du basique, j'aime bien. Voilà, ouais. Ouais, nous c'est exactement ça aussi. Enfin, en tout cas pour ma part. Pareil. Lambo, ça a l'air d'être pour toi aussi pareil. Ouais, je pense que je vais le squatter pas mal celui-là, là, fin de l'année. Je vais prendre un petit plaisir à faire le test pour JUL. Théobré. Bienvenue à toi. Et merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Merci bien. À part l'atout qui te donne plein de grenades là, et encore c'est des grenades flash qui te donnent, t'as une grenade. Ouais. Bah non, même pas. Même pas, c'est les flash. Bon, si c'est les flash bang. Ça doit être descendre une grenade aussi. Mais alors lui, quoi, mais il était moche. Depuis. Ouais, non, franchement, je pense qu'ils sont plutôt bien équilibrés au niveau du gameplay. Entre les atouts et tout, c'est les trucs, y'a pas. Oula! Y'a pas un déséquilibre. Bon, il y a quand même une dominance des pistolets mitrailleurs, mais bon, ça. Merci à toi, Goku, bienvenue sur la chaîne. Richexy est également devenu fan de la chaîne, merci à toi l'ami.
Bon, je rappelle, hein, dans moins d'une demi-heure, on donnera la dernière partie du code pour la bêta sur PS4. Donc, ça. Calol35, merci à toi pour le follow, bienvenue. Donc, ça sera vraiment plus rapide d'entre vous. Hein, donc, faites chauffer les PS4, allez directement dans l'onglet PS Store, entrée code et. Ça sera vraiment plus rapide. Hein. Désolé, on n'a pas pu en avoir plus. Activision n'a pas trop voulu lâcher le code. Alors, peut-être parce que c'est la bêta ce week-end qui est très très fermée. Peut-être que la semaine prochaine, on en aura d'autres, je sais pas. Quelqu'un en verra, peut-être qu'on fera un stream pour en distribuer davantage, mais je ne vous promets rien. En tous les cas, on n'en a qu'une seule pour l'instant à donner. Donc les gens, il va falloir vous battre. Et être le plus vif. Alors, qu'est-ce que je peux installer sur ma petite arme là, du coup? Poignée, ouais. Réduit le recul, allez. Quoique, elle a déjà pas trop de recul, hein, je trouve, la type 100 quand même. De quoi? Elle a pas de trop de recul en fait, hein. Là, tu me sens mine de rien. Ça va encore. Non, elle est vraiment stable, elle est. C'est vraiment pour moi la meilleure des armes. Vérifiez vos armes, traquez l'ennemi. Gibraltar. À vos positions, ennemi en approche. NTM, bienvenue à toi, merci pour le follow. Ensuite, il y avait un début de code, je l'ai raté. Ah, ouais. Oh, on va le redonner le code, ne vous inquiétez pas, on va redonner un peu les. On donnera tout ça en fin de stream. Ouais. Ah, oh, j'ai pas mis ce silencieux. Nox, bienvenue à toi. Merci pour le stream, le follow. Oh, je t'ai vu. Ouais, au-dessus là, Clem. Vas-y, plus en dessous. Oh, la grue, non, t'es sérieux? Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Ah, t'es sale toi. Oh, je... Oh le vilain. On va être au-dessus. Alors là, pour trouver personne, c'est pas moi qui les trouve, c'est eux qui me trouvent. Bienvenue à toi Massé. Merci pour le follow. Bon, allez. Pas de camp. Alors je ressens un léger lag là, je sais pas pour toi Ken. Ah oh, non ça va. Non ça va, j'ai l'impression que quand je tourne ma caméra. Je suis juste n'importe quoi. Ouais lui. C'est pas des fautes de la connexion. C'est vrai qu'elle est pas mal grande en fait, hein, la map là. Une, deux. Ah, je t'ai vu. Bon. Oh, j'ai cru. Ah, tu.
Ouais, j'ai pris des balles au moment où je sautais, donc. J'ai vu planer. C'est le vieux réflexe Infinite Warfare. Non, je rigole. Hein. J'ai pas assez joué pour avoir. Ça, c'est chez nous, bien joué. Reconnaissance de cible en cours. Mission de bombardement Fritz X en cours. Oh, pourquoi tu décales? Police stratégique larguée, protégez la ZL. Reconnaissance de cible en cours. T'as cru quoi, Doudou? Arrête en connaissance en attente d'instruction. En même temps, je lui mets tout dans les genoux. Alors, j'ai une question de Massé, je comprends pas trop ce qu'il me demande. Salut à tous, avez-vous déjà fait une game batteuse? S'il y a. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Alors, m'expliquer un peu plus ce que c'est. Comment Clem, tu arrives à m'expliquer? C'est Alors pour moi les batteuses c'est plus par rapport j'ai un drone. Aux mitrailleuses lourdes. Ah, si je me trompe pas. Une classe batteuse. Ouais d'accord. Ouais. Écoute, j'ai jamais trop utilisé le mot là dans le code, mais à mon avis c'est les autres ça. Là ça serait confirmé si c'est ça. Puis à moins qu'il y ait une classe moissonneur, je sais pas. Ouais c'est ça. Donc oui, non. C'est... En tout cas pour moi, c'est vraiment une arme que j'ai boudée. Dégommé ! Que ce soit dans tous les jeux, j'ai jamais joué avec. Mais je suis pas toi Rainbow, mais... Non, pareil, c'est pas trop le genre de classe que j'affectionne. Bon, même ça m'empêchera pas, là, je vais faire une game après avec... histoire de montrer un peu quand même ce que ça vaut. Parce que voilà, déjà que le personnage est pas très rapide dans les déplacements, en plus de ça en général quand t'as une maîtrise lourde, bah. Ah ouais, là t'es une tourelle quoi. Et voilà. C'est plus. C'est bien dans les modes objectifs quand il faut tenir un point quoi. Tu vois. Et. Pour le coup, je vais essayer un peu moi sur la fin de game là, mais. Les brains ou pas? Oh, ça... Elles ont l'air puissantes, mais voilà, après c'est. C'est brain derrière. T'es lent. Ah, plus quand même. Ouais, c'est ça, t'es lent. Mais c'est vrai qu'on. À part le snipe et la chimie, j'ai pas montré grand chose. Et après celle-là, ouais, promis, j'ai à voir pour faire une classe batteuse. La SCG44 est pas trop mal aussi. Pas là. Je sais pas si. Là, il doit vraiment y avoir une connexion parce que le mec, ce que j'ai mis quand même là, je suis plutôt pas d'accord. Il y a un socket. On rentre au PC. Ouais, donc ça, c'est la STG qui est franchement pas trop mal en fusil d'assaut. Ah, j'ai pas essayé non plus la classe fusil d'assaut. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le main avant est sympa, mais bon, il faut plusieurs balles. Il faut 2-3 balles, bon, ça tire vite quand même. Hein. 4-14, ouais. Bon, allez, pour les ceux qui sont arrivés entre temps, je vais donner les deux premières parties du code de la bêta. Alors, c'était cacao, 6, délire, 8, grenade, bazooka, napalm, arbalète. La quad feed rainbow. Ouais. On va tester. Alors, bah c'est qui dit que c'est un joueur de Call of depuis la première heure et il avoue qu'il joue énormément avec les mitrailleuses lourdes. Non, bah après c'est vraiment un style de jeu. Je vais. Ah mais après je critique pas du tout, hein, au contraire. Alors, c'est donc... Ah non, c'est pas de la critique, c'est juste que ouais. Fusil à pompe. Bien jamais trop joué.
Alors j'ai là-bas là, les 8, j'ai pas trop le choix. Ouais, je vais acheter la Bren. Ouais, tu me diras. Oh bah tu les emporteras pas tes... Oui, non mais c'est clair. Bazooka. Hyperactif pour recharger plus vite aussi, ça pourrait être sympa. Mmh. Allez, je me dis quand t'es prêt, puis on y va. Oh, c'est bon. C'est bon, allez. Ça va une prochaine bêta sur One, mais je suis impatient d'entendre et de voir ce que ça donne. Non, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux que de jouer de soi-même. Mais c'est vraiment un bon jeu, enfin vraiment un bon jeu. Si, c'est un bon jeu pour se faire plaisir. C'est pas le meilleur, mais c'est sympa. Et Massé qui nous remercie, bah écoute, y'a pas de quoi. Bah de rien. Merci d'être venu. Alors est-ce que tu crois que les dropshops vont passer avec la batteuse? Ah, ça vous êtes un peu plus dur. Ouais, je crois bien aussi. Ouais, Zartek, on arrête à 18h, ouais. Encore un petit quart d'heure à tenir les gens. Et après, on vous donnera la dernière partie du code. Je sais pas combien il y a de spectateurs là, j'ai pas le compteur sous les yeux. On est à 23. 23, vous serez 23 à vous battre pour le code. Match à mort par équipe. Pour ceux qui veulent éliminer les forces de l'axe. Qu'ils veulent. Que c'est que ce truc? Faites-les payer et au prix fort. Celui-là de Calaf, c'est un peu le retour aux sources en mode Medal of Honor. Ouais, alors c'est vrai que pour le coup Medal of Honor, moi c'est une licence qui me manque un peu. Mais qui était vachement sympa, du moins pour cette période. On a une meilleure puissance de feu. Mais... Non, c'est un bon retour aux sources, ouais. On a besoin de renfort. C'est vraiment pas mon style de jeu, la surfateuse, mais... Je fais ce que je fais, hein. Le code est à taper dans... Utiliser le code dans la... Dans l'application dans store. Store. Ouais, c'est... Dans l'Apple Store, non mais... Dans le store, ouais, c'est ça. Tu veux directement dans... entrer un code. Et tu pourras, bah, tu peux déjà commencer à mettre le... À rentrer le début. Après, je sais pas si sur One ils vont faire un peu le même système de bêta avec des codes et tout comme ça. Je t'avoue, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère pour toi que Massé, ouais, tu pourras essayer. Appareil de reconnaissance en attente. Reconnaissance en cours. Merci, même si j'ai encore raté le début du code, je vais me prendre jusqu'en novembre. Après, je crois qu'il y a une bêta ouverte hein, qui va être, être faite un de ces 4. Normalement. Avant novembre pour le coup. C'est tellement lourd que j'ai l'impression d'être essoufflé hein, quand on joue, tu sais. Quel important. Tu recodes un accès d'état privé du coup. Ah ouais, non bah... Bon bah du coup... De quoi? Bon courage pour ta bêta. Non bah c'est qui nous dit qu'il a un accès pour la bêta sur One. Ah ouais. Donc Non bah tu pourras te faire ton avis, mais franchement... Ouais, et puis n'hésite pas à passer sur la chaîne ou même sur le forum du site hein, pour nous dire un peu ce que t'en penses.
Alors on peut la poser, merde. Bon bah je pense que je vais faire encore 2-3 kills. Ouais non allez, je vais faire la game complète, j'ai promis. Ah, j'ai changé moi parce que on a un petit peu la STG. Mais je crois qu'on peut la mettre sur, sur... avec le pied, j'ai cru voir. Ouais. Ah ouais. Non. Bon vas-y, on va camper un peu, on va voir ce que ça raconte. Ah mais à mon avis j'ai pas dû prendre la bonne place. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vu dans le jeu, et alors je dis pas que je m'inquiète, mais c'est même plutôt positif. C'est tout ce qui est un peu, tu sais, mine, ou Claymore, ou Betty, pour ceux qui ont connu sur Black Ops 1, je crois. Ouais. Wow. Bah, c'est pas plus mal. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas plus mal. Si à toi, elle t'en manquait pas, moi. T'es pas obligé, j'ai vu que tu voulais. Vincent Lyon, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Aussi, j'ai vu ce que je voulais, perso, merci. Non bah, rien. Et Brandon qui nous suit également, merci à toi. En tout cas, ouais, bah, c'est, à mon avis, j'ai, si, j'ai glissé. Si t'aimes bien les sulfates... Ouais, je pense que moi de te faire plaisir. J'avoue t'as... que le coup de mettre le bipied sur une fenêtre, c'est sympa. T'auras de quoi faire, ouais. Ouais, sur les modes objectifs, ça peut être vraiment, vraiment... bienvenue, plutôt approprié. Est-ce qu'on peut le mettre? Ah oui, allongé aussi. Ah, c'est vraiment fichu. Ah. Un carabou. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Salut à toi Quentin, bienvenue sur la chaîne, merci pour ça. Bon, allez, on sort sur la SMG. Je me sens mieux quand même. Mais bon, après, c'est vraiment feeling, hein, voilà, on a tous nos préférences de classe. Stratégique ennemi repéré, empêchez les de se ravitailler. Dinosaure, bienvenue à toi. Reconnaissance de cible en cours. Bienvenue sur la chaîne. On a une meilleure puissance de feu. Colis stratégique en route. Protégez la zone de largage. Bah c'est top le bipi. Ouais, à mon avis, si t'as tendance à jouer les objectifs, tu vas vraiment t'éclater avec le bipi. Ouais. En cours. Bien Frambo, t'as du monde derrière. Ah, c'est bon. Je pense que la bombe a fait le ménage. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Il a sauté. Pas de fait. Est-ce qu'il y a un mode hardcore ou vous êtes au courant? Je pense que oui. Ouais. C'est un mode qui est très... Ça serait logique qu'il y en ait un. Ouais, très bien visité. Maintenant, ouais, faut pas dire avec précision, mais ça serait logique. Ah, Sun Magic, le big boss est devenu fan de la chaîne, merci, chef. Le big boss, le fondateur de JVL. Ok, alors est-ce qu'on s'amusait lors de la dernière partie? Oui. Voilà, bon, on arrive sur la fin du stream. Donc, il est temps de distribuer la dernière partie du code. Donc, à vos crayons, messieurs, dames, soyez prêts. Donc, pour les retardataires, je redonne les premiers caractères. Donc, c'était C6D8
GBNA. Donc cacao, 6, délire, 8, grenade, bazooka, napalm, arbalète. Et attention les 4 derniers caractères. On y va. Libellule, kiwi, lardon, baobab. Voilà. Donc là vous avez le code en entier, donc je répète, libellule, kiwi, lardon, baobab. Donc C6, D8, GB, NA, LK, LB. Voilà, donc ça sera pour plus rapidement entre vous à entrer ça sur PlayStation Store directement. En tout cas, le vainqueur, on te souhaite bon jeu, amuse-toi bien. Bon, Clément, un petit mot de fin de partie avant de se quitter. Non, bah c'était merci de m'avoir invité. Et puis, en tout cas, j'espère que ceux qui étaient présents, ils ont aussi apprécié le gameplay. Moi je retiens de la bêta est pas finie, mais de ce week-end de bêta, c'est un jeu sur lequel à mon avis je vais m'éclater. Je vais y passer quelques heures je pense, et j'espère que les autres autant que moi en tout cas plutôt, et voilà. Moi bah pareil, moi plutôt emballé par le jeu. Donc il y aura la prévue écrite qui va débarquer bientôt sur le site, donc elle sera en ligne dès demain. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur jeuxvideolive.com. Voilà, partagez la chaîne, likez la chaîne. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau stream. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Et à très bientôt, bonne soirée à vous, à la prochaine, ciao et félicitations vainqueur, ciao bye. Salut. Valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong.